Musique. Pas fort. Pas très fort cette musique. Je comprends mieux. Peut faire la musique maintenant. Doucement, messieurs. C'est l'annonce de live, let's go. Et salut Daniel, ordure, me dit-il. C'est bien la musique, qu'est-ce que t'en penses? Au niveau de la puissance de la musique. Pas que ce soit trop fort, quoi. Ni trop faible. On va rester comme ça. Oh oui, l'orage. C'est bon, vous trouvez qu'il y a de l'orage? Non, c'est le lave-vaisselle, les amis. Il y a de l'orage chez toi, Flinguetti? Comment ça va, les amis? Excusez-moi, j'étais complètement dans mon truc, et là, je sais pas pourquoi. C'est de la lumière était parfaite, et il y a un gros rayon de soleil qui vient traverser les nuages. Nous empêche de voir bien le stream. C'est pas grave. Stream éclairé. Ça vous va? Plus d'ombre. Ah si, un peu d'ombre. Regardez, pas d'ombre ici. Ici, une ombre. J'ai une main magique. Bam, 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 bam. Je vais baisser le son, c'est le bordel. Franchement, c'est un truc de fou. Comme ça, c'est bien, je pense. Bon alors, les amis, comment s'est passé votre lundi? Le lundi au soleil ou pas? Parce que chez moi, c'était le la pluie toute la journée. Hein, une catastrophe. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité parce que je vous dois la vérité, quelque part. Et quand le temps est catastrophique, je vous le dis également. Parce que voilà, je me permets. Pas trop la pluie, la même. C'est vrai, t'as beau. T'as bonne? T'as bonne, dit mec? C'est comme ça? Énorme comme pseudo. J'ai du mal à le dire, excuse-moi, hein, je suis vraiment désolé. Ouais, bon, après la pluie, ça fait du bien quand ça refroidit. Parce que là, comme ça, du coup, c'est moins beau. On parle de météo, je suis désolé, c'est pas le truc le plus ouf. Mais ici, on est ouvert à toute discussion et vous le savez très bien. C'est une insulte, on a. Ok. Mais comment je dois t'appeler alors? Comment dois-je t'appeler si c'est une insulte? Tu veux me faire dire des cochonneries, c'est ça? Dis-moi, dis-moi, moi je suis ouvert. J'ai envie de vous appeler. J'ai envie de vous appeler d'une manière correcte. I get around. Ave, ave qu'elle sonne. La salade César, voilà. Bien joué, elle est belle la blague. Habibi, ça veut dire ma chérie. Je sais hein, ce que ça veut dire, Habibi. Bon, pour un con, quoi. Le Kels, comment il va? Après, tu vois, moi, ce que je te propose, tu vois, c'est que t'es là. On peut passer un bon moment, tu vois. C'est toi qui choisis. Nickel, toi, bah nickel, ça va. Tu te l'as indiqué passer vite, en toute vitesse. J'étais pressé de vous retrouver. Souvent, quand on est pressé de retrouver quelque chose, ça passe plus vite. Non, c'est pas vrai, en plus. Ça passe plus lentement. Donc, quelque part, c'est peut-être que vous m'ayez pas trop manqué. Non, je déconne. Non, ben non, ça s'est bien passé. Très rapide, très court. Semaine de 3 jours, les amis, lundi, mardi, mercredi. À partir de jeudi, c'est le pont, le Golden Gate Bridge. 4 jours sans travailler, parce qu'on a 2 jours normaux, le samedi et le dimanche, où je ne travaille pas, fort heureusement, par chance. Et le jeudi et le vendredi, j'ai du mal à dire les mots, sont des jours jeudi férié, vendredi le pont. Moi j'ai posé 2 jours vendredi et lundi. Et salut Yol, comment ça va? Vendredi et lundi. Moi j'étais obligé de poser le vendredi, du coup j'ai posé le vendredi. Quand on est obligé, je le fais. Je suis pas à ce point rebelle. Quand on m'oblige à ne pas travailler, je le fais. Bon, après ça me prend un jour, mais voilà. Et le lundi, je travaillais comme un con, quoi. Enfin comme un con, non. Comme d'habitude, vous voulez dire. C'est ça que je voulais dire. Mais oui, ouais, comme aujourd'hui, quoi. Comme aujourd'hui, il y en a qui travaillent pas le lundi. J'en connais quelques-uns dans ce chat qui ne travaillent pas le lundi, qui sont des escrocs, mais en même temps des fois ils travaillent le dimanche. Donc quelque part je me dis le lundi je préfère travailler le lundi que le samedi dimanche. Après à vous de voir. C'est comme ça. Yay, banana bread. Exactly, banana bread. Banana here. Bananas are here. Bananas are a bit too
too soft to eat like this, so we're going to use it as a cake, that will be good. J'ai posé lundi car c'est con, la SNCF n'a déjà plus de place pour dimanche depuis un mois sur mon trajet. Ah ouais, pour le retour. C'est ce qu'on appelle être contraint, quoi. Bon, après, voilà, tu vas pas te plaindre. Tu vas pas te plaindre, ça va, ça te fait un jour. En plus, tu vas te mettre bien. Tu vas te mettre très bien. J'espère que vous allez vous mettre bien. Est-ce que vous allez faire des trucs, les amis, ce week-end du pont ou pas du tout? Je m'incruste avec vous, peut-être. Pas vrai, bien sûr, hein, mais... Coucou et salut Matt, comment ça va? Est-ce que vous avez des trucs de prévu? Le jeudi, ou le vendredi, ou 4 jours, peut-être. Je sais pas, ça se trouve, moi, je vais partir faire un petit truc, j'en sais rien. Petite salade César, bien vu, petit poulet rôti. Il y aura du poulet dedans. Petit poulet, pas rôti, ou quelque part, il sera au four, donc un peu rôti, un peu croustillant. Ça va me permettre de rien faire un jour de plus. Exactement, exactement, ça c'est bien quand même. Ceux qui vont mourir te saluent, avec César, bien sûr, bien joué. Cette blague a été à moitié faite, mais vous l'avez complétée, donc ça me fait plaisir. J'avais douté que c'était vrai, bien sûr. Moriturit te salutante. On parle un petit peu latin ici, si vous faites latin quatrième langue, n'hésitez pas. Et puis let's go, juste let's go. On fera le signe du gladiateur, pouce en haut, pouce en bas, pour savoir si on mange ou pas la salade. Bon, je pense qu'on la mangera, que vous voyez. Moriturit te nourritante, bien joué, voilà. Ceux qui vont mourir te nourrissent, c'est ça? Ouais. En l'occurrence, j'espère pas, parce que je vais me nourrir moi-même. Et du coup, je ne pense pas mourir, je n'espère pas mourir, après on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais prions pour qu'il ne m'arrive pas malheur, les amis. Normalement, ça devrait aller, hein. Ça devrait aller. J'ai fait quelques streams déjà, et a priori, je ne suis jamais mort. J'essaye en général de ne pas mourir, en stream du moins. Après, dans la vie extérieure, des fois, ça m'arrive, mais j'essaie de pas. Si quelqu'un fera ça, François ira faire un saut en parachute en live ce week-end. Non, c'est pas vrai, ce n'est pas vrai. C'est un peu plus cher que ça. C'est un peu plus cher que ça, hein, un saut en parachute. Ça va me revenir un peu cher. Après, si tu veux me l'offrir, offre-moi quelque chose d'autre. Ça va, un truc un peu moins cher, mais qui me fera moins peur. Petit rôti va venir en salade. Tout à fait, aujourd'hui, va venir en salade. On a des aiguillettes de petits poulets rôtis. Enfin, elles ne sont pas rôtis, du coup, mais crues. Viens faire du parapente. Ça me fait peur, ça aussi. Ça fait peur ou pas le parapente qu'on a le vertige? J'en ai jamais fait, je te dis la vérité. Après, moi, je suis un aventurier. Hein, je suis un aventurier. En 4 jours, je pourrais venir faire du parapente. Hein. Moi, j'ai loué une maison dans les arbres pour ma copine et moi, et on va passer le week-end à la... Putain, bah c'est bien ça, ça tue. Du coup, tu vas passer les 4 jours ou juste le samedi dimanche? Non, ça va, c'est vrai? Après, peut-être que... Je suis peut-être courageux, en fait, hein. On ne sait pas. Bonjour tout le monde, c'est Fargos qui a oublié son caps lock, et ça, c'est énorme. L'enthousiasme est monstrueux, merci à toi. Non, c'est bien, il faut écrire en caps lock. Ça nous rappelle les meilleurs d'entre nous. Non, mais du coup, ouais, ça peut être énorme, ça peut être énorme. Salut Bibis, voilà. On était à deux doigts de voir Bibis apparaître, quoi. Pop sur le chat. Le casser les 4 jours là-bas, c'est bien ça, les 4 jours. Et salut Gargouille, comment ça va? Oh, let's go. Je fais pas souvent ce signe, il faudrait. Ici c'est rock'n'roll un petit peu. Bon, pour l'instant vous avez Abba dans les oreilles. On va mettre un truc qui pepse un peu plus, parce que là c'est bon. J'ai vu la vida. Ok. Non, mais ça fait plaise. Ça fait plaisir des petits week-ends comme ça. Moi, je n'ai pas prévu quoi que ce soit, mais qui sait. Imaginez, je fais un truc aventureux et je fais un stream aventure, ça serait énorme. Mais je suis pas trop dans ce game, moyennement dans les IRL. J'aimerais bien. Hein. Salut Maki, comment ça va? J'aimerais bien faire des streams un peu foufou des fois, hein. Mais c'est compliqué, hein, savez-vous. Salut Avizia, ce soir François, carrément. Salut Pauline. Je me permets. Tu vas faire une salade César classique ou revisiter, bien sûr. Revisiter pourquoi? Puisque, en fait, on va parler un peu de la nourriture, c'est important. Faut que je vous en parle un peu. Nous allons faire une salade avec du poulet, du pain de mie croustillant. Tout ça va bien, normalement, c'est normal. De la salade iceberg. Et la sauce César, je vais la refaire un peu à ma façon, déjà de une. Et de deux, le poulet, je vais faire un poulet pané avec des cornflakes pour que ce soit super croustillant. Donc ce ne sera pas juste du poulet grillé, ce sera du poulet pané, mais version un peu saine, puisque ça va au four. Vous voyez? Et donc il n'y aura pas de friture aujourd'hui. Hier, il y avait de la friture, aujourd'hui, non. Parce que le lundi, en général, on fait très attention. C'est sur toi, il faut qu'on passe en MP. Ok. Maintenant? Ou ça peut attendre 2 secondes? Tu me dis quoi? J'ai peut-être reçu des MP, d'ailleurs. Non, c'est bon. Du coup, la technique... Non, pas l'argent, ok. En fait, j'ai oublié de te demander les serre-têtes, ça va, pas plus mal le crâne, ils tiennent le choc. Oui, ils vont très bien, nickel. Bah, tu vois, je le porte. Franchement, je le porte même plus qu'avant, donc merci encore à toi, c'est vraiment, ils sont bien. Ils sont vraiment bien. Du coup, ça fait plaisir, en vrai, ça fait plaisir carrément. Tant que c'est pas Caligula, salade Néron. Non.
C'est le délire. Ça va être une salade commode. Ça va être une salade Marc Aurèle. Voilà, on fait tous les empereurs romains si vous voulez, mais sachez que César n'est pas un empereur romain. Et salut Prétista. Et les anchois. Attends, le serre-tête, les anchois. Pas d'anchois, non. Il y a des anchois dans la salade César? Je ne crois pas. C'est peut-être un piège. Du coup, non, truc de fou. Le poulet va être croustillant. Les croûtons de pain, je vais les faire à la maison, bien sûr. Soit au four, soit à la poêle, on va voir. Un petit peu à l'instinct. Je sais pas, j'ai toujours envie de faire une salade César sans jamais oser. C'est vrai? Bah, il faut pas avoir peur, hein. Faut pas avoir peur, hein, de la salade César. Des anchois dans la sauce, ok. Il n'y aura pas d'anchois dans la sauce. Puisque c'est assez galère, en fait, je vous dis, hein. Salut Kalindi, bonsoir, et oui, il y a des anchois, ok, les amis. Ça va être une salade César sans anchois. Est-ce que vous êtes plutôt team pas anchois? Parce que moi, j'aime bien, mais je peux m'en passer, quoi. Est-ce qu'on peut pas s'en passer, les amis, franchement? Si on me laisse l'anchois, j'en mets pas. Bien, elle est belle celle-là. Ça donne le goût umami. C'est vrai, bah, il va y avoir du goût umami avec le fromage. Puisque je vais mettre du parmesan. Je vais mettre du jaune d'œuf, vous allez voir. La sauce, ça va être très bien. Pas anchois. C'est génial les anchois. Moi, j'aime bien, hein, mais ça dépend pourquoi. Pas anchois. Team anchois, j'aime pas du tout. Ah, team anchois, j'aime pas du tout. Ok. Bah, du coup, il n'y aura pas d'anchois pour vous. En fait, je me dis, si on met pas d'anchois, les gens qui aiment pas les anchois, ils vont être contents. Mais les gens qui aiment les anchois, ils vont pas être trop tristes. Donc ça va. Team anchois, moi j'aime bien aussi. Hein. C'est vrai que les anchois ont le goût de mamie. Non. Un jour, il faudra qu'on débunk le umami. C'est vrai, tu trouves que le umami n'existe pas? Moi j'adapterai. T'inquiète. Après, si tu veux mettre des anchois, tu peux mettre des anchois. La seule chose à faire en plus, ça sera d'ajouter des anchois dans la sauce ce que je vais pas faire. Mais de toute façon, est-ce que c'est marrant ça. Parce que j'ai jamais entendu parler d'anchois dans la salade César. C'est intéressant parce que pour avoir regardé quand même pas mal de recettes avant de lancer le stream, vous doutez bien que je regarde un peu des recettes. J'avais pas du tout envie de parler de ça. Après, c'est une salade César à ta sauce. Magnifique, elle est belle, celle-là, Kalindi. Effectivement, c'est une salade César à ma sauce. J'ai même plus besoin de faire les blagues. Vous les faites pour moi, et c'est énorme. En fait, non, il n'existe pas. C'est vrai? Ok, je savais pas. Après, est-ce que tu veux relancer un débat houleux, comme hier avec les chocolatines? Je ne sais pas, mais après, c'est marrant de discuter. Du coup, il y aura du parmesan. Vous allez voir. Je vais mettre du. En fait, je vais faire une technique pour faire une mayonnaise très allégée. Je vous révèle pas tous mes secrets, vous verrez tout à l'heure. Et salut, Marandé. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des dizaines de goûts qui ne sont pas nommés. Ah, d'accord. Donc, c'est ça, en fait. Oula, c'est quoi la musique là? SOS, les amis, ce n'est pas un appel à l'aide. Du coup, non, ça va être bien. Si vous avez des idées de musique, je vous rappelle, hein, vous pouvez me demander les musiques et ça met. Tu mets du beurre à la place de l'huile? Non. Non. En fait, je vais faire une technique secrète avec du jaune d'œuf. Non, je vous dis pas. Je vous dis pas, on verra après. Mais ça va être super bon normalement. Pour avoir déjà testé, ça donne une sauce assez fondante, assez saine en fait. L'avantage, c'est qu'on met moins de matière grasse. Vous savez que l'huile en ce moment est très chère. Et on va trouver un moyen de mettre moins d'huile. Et en plus, moins d'huile, c'est-à-dire moins gras, ça veut dire peut-être plus sain. Et ça, c'est bien. Mais c'est plus une notion de plaisir que de goût. C'est vrai, tu penses? Mais en fait, il y a vraiment des gens qui. Enfin, dans l'historique. Enfin, historiquement, ce qui est dit, c'est que le umami est un goût qui existe en plus des quatre autres goûts. Qu'on parle salé, sucré, acide ou amer. Et. Acide, oui, acide amer. Et du coup, umami serait un truc au milieu, quoi. Pour moi, jamais, j'en fais pas. Ah ouais, mais si tu mets pas de sauce du tout, là on est mal aussi, les amis. Pas de sauce dans la salade César, ça va croustiller, mais ça va être sec. On veut pas que ce soit sec quand même. On veut que ce soit sain, mais on veut que ce soit bon. Ça, c'est très important, parce que si c'est pas bon, c'est nul. C'est bien que ce soit sain, mais il faut que ce soit bon. Et salut, c'est Vince, comment ça va? Moutarde, tu mets de la moutarde. Ok. Comment il va le Vince? Hello les gars, les gars. C'est plaisir de te voir. Les amis, vous êtes chaud, j'ai l'impression, on va pouvoir commencer tout doucement. On va commencer en fait par le banana bread. Parce qu'on commence par le dessert, pourquoi? Parce qu'une fois que le dessert est fait, on le laisse tranquille. Et après, bah, on mange le plat quand il est chaud. En l'occurrence, c'est une salade, donc ça va être froid. C'est un petit peu random ce que je vous raconte là. Mais vous avez compris le principe. En général, on fait toujours le dessert en premier, dans les streams, en tout cas ici, conventionnellement. On peut le manger, qu'est-ce qu'on peut manger? Le banana bread, vous pouvez le manger. Si vous le faites chez vous. Mais si vous m'écoutez, darling, dites-moi SOS. Pas un gars. Oui, c'est vrai. Les gars et les filles. Ça va, merci, petite semaine. Le dessert, quand il est prêt. Quand il est prêt, on peut le manger. Mais après, il vaut mieux manger le dessert avant, après, qu'avant. Hein, je vous conseille. Moi, je sais pas, c'est traditionnel. Mais figurez-vous que dans la vie. Oh, vamos a hacer un asco. Hola. ¿Qué tal estás, Tonin? Et amigo, d'Extremadura. Mon ami espagnol, les amis, c'est énorme. Le dessert se mange chaud, non, le dessert se mangera pas chaud, non, justement, c'est pour ça, il peut refroidir. Merci beaucoup, gracias.
Muchas gracias, Tonin. Rompetibias. Vamos a hacer un Glasgow, claro. Hola, ¿qué tal? Creo que es bien. ¿Cómo está? Tiene fille. Figaro que ya de tout, ici. Il y a de tout. Le dessert, c'est bon. A ver si nos vemos, coño. Sí, ojalá. Pero bueno, no sé cuándo. Porque. A lo mejor estoy libre. Hablamos luego. Porque. Hemos hablado muy poco en el grupo, pero a veces podemos arreglar nuestras ideas para organizarnos un poquito viaje o no sé qué. A mon âge, on peut dire une femme, oui, c'est clair. Mais après, je vous ai dit, ici, il n'y a pas trop, d'âge. Moi, je suis toujours un garçon dans mon esprit, même à 26 ans. T'sais. Salut Lucille, comment on va? Bah écoute, ça va bien toi? Historiquement, umami est un terme inventé par les marketeurs du glutamate, mais c'est vraiment un goût, juste la sensation donnée par le glutamate. Ah ouais, carrément. C'est ouf ça. Le dessert se mange froid, m'a demandé qui pose toutes les questions. Bah, le dessert se mange tiède à température ambiante. C'est du banana bread. Donc mange-le quand on veut. Salut les croustipotes, voilà, bravo. Bravo. Il est temps de manger ta banane. On va pas la manger, on va la faire en banana. C'est pour ça qu'elle est toute. J'ai fait exprès. Elle est toute trop mûre en fait. Elle est trop mûre. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire quand la banane est trop mûre? Et eh ben on va la transformer en petite purée. Ouah! Très dur à faire ça, les amis. Et ensuite, on va mettre des œufs, on va mélanger. Ça va aujourd'hui, je veux la chanson des petits indiens. Mais bien sûr, tu vas avoir la chanson des petits indiens. Punaise, 25 ans. Meuf. Bon anniversaire, c'est énorme. Oh, et Dédé, qui dit bon anniversaire? Qui te dit bon anniversaire? C'est énorme. Il y a Max de bon anniversaire à Lucie dans le chat, les amis. C'est son anniversaire, on va écouter la chanson des petits indiens. Merci beaucoup, Dédé, quel boss. 8e mois, 14e mois d'anniversaire. Imaginez, depuis le temps qu'on connaît Dédé, mais c'est ouf. Il manque un abonnement pour passer sur le train d'hype. Et vous savez que c'est énorme. Et les amis, c'est le moment de mettre la musique des petits indiens. Allez! Allez, on descend! Et on descend. Allez, j'y vais, hein! Ont les yeux qui brillent. La vanille, voilà le gâtisse, mes fumes buffalo. Pour ma jolie squaw. Ça veut dire qu'il y a un escalator. Franchement, c'est pas un banger cette chanson, franchement. Qui s'y connaît en banger dans le chat? N'oubliez pas, hein, si c'est votre anniversaire, vous avez le droit à la chanson des petits indiens à chaque fois. Et voilà. Putain, c'était fou. C'était énorme. Maintenant, on peut mettre une autre chanson. Un rayon de soleil. Vous connaissez ça, les amis? Ambiance années 2000, je crois. Hein. Et bien sûr qu'il y a un escalator. Hein. C'est un escalator. Je m'enjaille dans l'appart, t'as raison, il faut s'enjailler. Merci beaucoup à tous, mais merci pour elle, merci pour elle. Ok, rappelle-moi donc, n'a jamais connecté le jour de mon anniversaire. Non mais Kalindi, tu peux avoir une autre chanson si tu n'aimes pas la chanson des petits indiens, mais aucun souci. C'est William Ballet dans vos oreilles, les amis. Une chanson très sexuelle. Une bonne salade César, hyène. Une salade césarienne, voilà, bravo Dédé. Première blague de Dédé, et pas des moindres. Elle est belle. Je suis complètement essoufflé, quoi. Non, c'est pas vrai. Alors, ok. On va commencer, les amis, le banana bread. Donc, comment il faut faire un banana bread? Il faut des bananes et il faut du bread. Non, c'est pas vrai. Il faut des bananes, des œufs. Il faut. Moi, je vais mettre du skyr. Mais si vous n'avez pas de skyr, vous pouvez mettre du fromage blanc. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous allez voir. De la farine, du sucre. Soit du sucre roux, soit du sucre de coco. Moi, je mets de la sucre de fleur au coco. Sinon, vous pouvez mettre du sucre cassonade, comme vous voulez. Comme mon anniversaire est en avril, je suis tranquille pour un moment avec ta chanson. Ah, vous détestez la chanson des petits indiens? La chanson des petits indiens, c'est pour ceux qui aiment bien la chanson des petits indiens. Si vous n'aimez pas la chanson des petits indiens, vous n'aimez pas la chanson des petits indiens. C'est normal, tu vois. Vu que c'est votre anniversaire, c'est vous qui êtes à l'honneur. Dans le sens où vous avez le droit d'avoir le plaisir d'avoir cette chanson. Mais si vous n'aimez pas la chanson, on ne vous fait pas ce problème. Vous comprenez ici, c'est total régal. Et salut Odel, comment ça va? La chanson des zinzins dit un, voilà. Les zinzins disent un. Arrête, elle est trop bien. Moi, je trouve qu'elle est bien. Après, voilà, j'accepte les goûts de tout le monde, tu vois. J'accepte qu'on n'aime pas la chanson des petits indiens. C'est ça qui est beau dans ce monde.
Moi j'adore, voilà, Lovis adore la chanson des Indiens, mais Lovis malheureusement ton anniversaire a également passé. Mais peut-être ça pourrait être ton anniversaire de... selon un autre référentiel, je sais pas. Oh, McLovin! Punaise, c'est bon, j'ai réussi. Nickel, toi, bah nickel, on est assez chaud, on est assez chaud. Il y a McLovin qui est là, qui nous envoie un petit truc. J'ai raté le clap-clap, mais c'est pas grave. Bon, on voulait pas. Que nous respirons. Quand il va le petit cerf, vous voulez voir le petit cerf, il est parti là. Je regarde vite fait la recette du banana bread parce que je l'avais pas appris par cœur en fait, je vous dis la vérité. Recette de banana bread sans beurre, c'est bien. Ça à César, j'ai dit oui, voilà. Banana nut bread, je dis oui aussi, voilà. C'est bon ça. Je vois que tu aimes la recette et ça, ça me fait plaisir. J'aime votre enthousiasme. Donc il faut une banane et demie en réalité. Oula, j'ai entendu un petit truc. Et merci Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est des bits, merci Laura. Laura, Dave, j'ai du mal à lire le pseudo, mon ami. My friend. Pour fêter l'année, tu m'avais joué Stay Out to Event, c'était génial. Mais ah, bah oui, je me rappelle en plus, c'est vrai. Tu vois, c'est mieux que les... Bon, c'est mieux que les petits indiens. Tu as pas d'anti-sèche? Si, j'ai un anti-sèche, il est là, hein. Hop là. Tu connais la sauce César Heinz? La sauce César Heinz, ouais, je vois ce que c'est. J'ai jamais goûté, elle est bonne ou pas? Bon, moi, je fais maison, hein, parce que c'est abusé sinon. C'est abusé. C'est ses chefs. Du coup, les amis. On va mettre une banane et demie. En fait, on va mettre, vous allez voir. Une banane et demie. Un œuf. 70 grammes de farine. 25 grammes de poudre d'amande. Ou de noisette, ça sera amande. 50 millilitres de lait d'amande ou coco. Vous allez voir. J'entends un petit bruit. Ensuite, il faudra un peu de cannelle si vous voulez. Moi, je vais en mettre de la cannelle. Et voilà, je suis en galère à lire ce truc alors qu'il n'y a rien de difficile, je sais pas pourquoi j'étais comme ça. Bref, je vais commencer par écraser une banane. Oui, c'est de la frappe, c'est vrai que c'est de la frappe. La musique, c'est quoi après? Il n'y a pas de musique après. Vous voulez quoi comme musique, les amis? Dites-moi hein, si vous voulez des musiques, vous pouvez y aller, hein, parce que ici, on est complètement en roue libre. Obladi, Oblada, les Beatles. Moi, j'aime bien, hein, si vous détestez, vous me dites. Hein. Vous choisissez les musiques que vous voulez, parce que je peux mettre les musiques que vous voulez à présent. C'est une nouveauté du stream, c'est une exclusivité Bardino 2. Enfin, XXX extension carrément. Je connais pas du tout, c'est bien ça? Bon, sinon, qu'est-ce que vous avez fait de votre lundi, les amis? Est-ce que vous avez travaillé? Est-ce que vous avez vaqué à vos occupations? Est-ce que vous avez chanté Le lundi au soleil de Claude François? Une chanson assez... voilà. Qui fait pas l'unanimité. Comment tu fais pour mettre les musiques? Eh bien, je mets sur YouTube, enfin. SR666, Alarma, vu mes goûts musicaux particuliers, mais je vaut mieux pas. C'est vrai, vous avez des goûts musicaux particuliers? Je connais pas les goûts musicaux de tout le monde, je connais un petit peu, à force, tu vois, parce que j'essaie d'être assez proche de mes regardeurs, comme on dit. J'essaie de connaître un peu vos goûts, parce que comme ça, si je peux vous faire plaisir, si jamais... Vous faire plaisir, c'est toujours bien de connaître les gens. Mais il y a des gens pour qui ça reste énigmatique. Donc je ne sais pas tout le monde. Comment ça se fait qu'il n'y a plus de droit d'auteur pour les musiques? Alors en fait, j'utilise une stratégie technico-commercial qui me permet de contourner ça. En fait, c'est juste que les musiques s'enlèvent, elles restent seulement éphémères. Et du coup, ça nous permet de ne pas avoir de problème. Et ça m'est bien. Partenaire particulier, de partenaire particulier, c'est vrai. Cette chanson, on la réserve pour une occasion spéciale, tu sais, là, tu sais laquelle. J'avais voulu travailler, mais j'ai pas pu, problème technique, impossible d'utiliser mon portable. Ton ordinateur portable? Ou ton téléphone portable? Non, je vais commencer à écraser la banane bien. On va bien écraser la banane, vous voyez, une banane et demie en fait. J'écrase bien la banane, le plus possible. Vous voyez, pour qu'elle soit vraiment bien mûre, parce que l'objectif, c'est vraiment de l'écraser comme si ça devenait une petite crème, une petite beurre de banane, en fait. C'est ça qui est l'avantage de la banane. On peut s'en servir souvent, dans beaucoup de plats. Vous voyez la texture que ça a quand c'est bien écrasé, bien mixé. C'est un peu la texture du beurre dans un sens, hein, dans un sens. Hein. Dans les gâteaux, hein, je veux dire. N'allez pas mettre du beurre à l'ail, ne mettez pas de la banane. Faites pas cette folie. Après, on peut toujours tester. Hein. Ordinateur, travailler sur un téléphone, c'est compliqué, c'est vrai. Ça dépend si tu es appeleur. C'est quelqu'un qui appelle, qui passe des appels avec ton téléphone de téléphone pro, genre ça. C'est vrai que c'était con comme question, je suis désolé. Mais parfois on n'est pas au maximum, tu vois. Essayez de faire simple, art style. Ah oui, quand il y a une certaine personne. Ouais, quand il y a un partenaire particulier. Vous voyez là, c'est bien, on va pouvoir mettre le œuf. Il y a un truc que j'avais voulu toujours tester, mais on peut plus tester parce que maintenant l'œuf est cassé.
Mais si on doit recasser un œuf, je testerai une technique que j'ai vue sur internet. Le mec il jette l'œuf et il met son couteau en dessous comme ça, et c'est coupé net en deux comme ça. J'ai envie de tester. Mais vous pensez que c'est risqué ou qu'il faut le tester ou pas? Vous me dites, hein. Vous me dites, c'est une idée de merde ou c'était une idée à faire absolument? Ça va super fort la musique, dites-moi hein, si ça va trop fort. Moi j'ai pas envie de vous tuer les oreilles quoi. Vas-y fais-le, faut tenter. On le fera quand il faudra recasser un œuf. Fais-en un king size comme ça, t'en as bien pour plusieurs jours, tu penses? En fait, j'en fais un avec la quantité de bananes que je possède. Je suis limité, ce qu'on appelle un réactif limitant en chimie, c'est quand on doit faire une recette et qu'on a un truc qu'on a besoin, mais qu'on a en petite quantité. Bah, on est obligé de tout adapter au truc qu'on a en plus petite quantité, vous voyez ce que je veux dire? Vas-y, c'est ta cuisine, c'est vrai que c'est ma cuisine. Si vous me dites ça, ça me donne pas envie, ça veut dire que ça a l'air d'être une mauvaise idée, mais que vous avez envie de rire de la saleté de ma cuisine. Qu'est-ce que je mets comme musique, les amis? Dites-moi, hein, une chanson qui fait un peu plaisir aux gens. Je vais mettre ça. C'est pas une musique de pub, ça? Peut-être. Du violon. Ok, je mélange de manière ferme et efficace. Bonsoir les enfants, salut Néowiz. Comment ça va? Je mélange fermement ces œufs, vous voyez, on a l'impression d'avoir juste des œufs battus. C'est assez mousseux, c'est assez sympa. C'est ce qui va donner la texture finalement mousseuse finale du banana bread. C'est un avantage qu'on a. Et merci Valkyrie pour le follow, bienvenue, ça fait plaisir. Bienvenue dans l'aventure avec Bardello 2. Comment le va Néowiz? Le menu est à jour, bien sûr, bien sûr, bien sûr. La gueule, le son, waouh. Ça, c'est des musiques des années d'avant où le son il est un petit peu. Il y a ce qu'on appelle une dynamique. On va parler un peu musique pure et dure. Ce qu'il appelle une dynamique, c'est-à-dire que la musique commence doucement et après tout d'un coup elle devient super forte. Et bien ça. C'est incroyable, pourquoi? Puisque ben, on peut pas très bien régler le son, on est en galère. Voilà. C'est la musique de la pub, voilà, c'est ce 2013. Je pense que c'est plutôt 70 que 2013, mais let's go. C'est la musique de quelle pub, les amis? On va faire le jeu des pubs. On peut faire un truc parallèle où on met que des musiques de pub, ça peut être rigolo. Alors, le sucre de fleur de coco, ça vous va? Un peu de miel, on va parfumer tout ça. Et j'y mettrai un petit peu de cannelle également, parce que j'adore ça et je trouve que ça va bien. Bon, 2 jours de travail et après vacances au soleil. C'est vrai, bah moi ça va être 2 jours de vacances encore et après je sais pas quoi, hein, je sais pas quoi faire de mon week-end de 4 jours. Je savais que t'étais à jour, but still Snoop Dogg and the Army. Milka, vous voulez Mika ou Milka? On voit que t'as suivi tes cours de manège au collège, tout à fait. J'ai suivi madame, je dirais pas le nom, il faut pas que je dise les noms des profs comme ça. Après, vu que je suis un peu célèbre, ils vont se faire harceler. Ok, je mets v'là la cannelle. Milka, voilà. Pour des assurances ou de la banque, ouais, c'est un truc comme ça. Salut collègue, le collègue. Ok, on va partir sur une bonne cuillère à soupe de miel. J'adore le miel. Quel est votre avis sur le miel, les amis? Est-ce que vous êtes team miel ou pas? Moi, c'est un truc que j'adore en fait. Je trouve ça un peu mystique, quoi. Goût unique. J'y pense, il y a des banquiers ici. Est-ce qu'il y a des banquiers? On n'a rien contre vous, hein. Miel non liquide, c'est du miel un petit peu cristallisé. SR Bilks, c'est quoi Bilks? Salut Pochetron. C'est toi qui dis ça? Moi, je suis bien, hein. J'ai pas bu, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi Pochetron? Ça va, barbe? Ouais, ça va, toi? Trop bon le miel, j'adore. Ça va le miel, c'est vrai, quand t'as mal à la gorge, c'est pas un team pas miel, mais chaud avec du. Mais que chaud avec du. Ok. Oups, petit miel, d'accord, miel, chèvre miel du coup. Salut Elia, comment ça va? Bonsoir. Oui, j'aime te taquiner, je vois ça. Tu es un sacré talker, moi je vais te taquiner aussi, tu vas voir. On va se la donner, toi et moi. Un petit moment, un petit moment, petit moment relax, les amis. Juste nous deux, juste tous les deux, just the two of us. Ça fait longtemps le Bob. Le Bob l'éponge, vous avez vu ça? Glace nougat miel, putain, j'adore le nougat. Claude Nougaro, vous connaissez? Le chanteur, on mettra après. On passe vite sur la blague. Ok, ça part sur un peu de sucre de coco. Donc le sucre de coco, c'est comme ça, regardez. Je vous ai déjà montré 1000 fois, vous connaissez par cœur le sucre de coco. Nam, out of road, il pleut. Ça va, merci, j'espère que toi aussi. Et la commu aussi, la commu va bien. Est-ce que la commu va bien, les amis? Je répète. Je pense que oui.
Just the two of us. Non, nous dit Point Gamer. Point Gamer, c'est un taquin. Il rigole, le mec. Il joue au jeu du taquin. Vous connaissez le jeu du taquin? Regardez, j'ai mis le studio coco, ça devient un petit peu orange doré. Ça, c'est sympa. Just the two of us, tout à fait. J'espère que vous aimez. On peut mettre Namam Out the Road. Ok, je connais pas, mais on peut le mettre si tu veux. On va la mettre. On va la mettre pour toi. Il y a du soleil, il y a des nanas bread. Coco chéri, tu veux chéri coco? Faut pas la blaguer. C'est quoi ce morceau de caca? Non mais ça va ou quoi? Louise, Louise. J'ai l'impression que tu es grossière. C'est pipi caca, c'est pas ici hein. La maternelle, non. Ici c'est grosse relaxation. Caca tout mou, voilà. Âge mental environ, voilà, 10-12 ans quoi, la Droule. Vous habitez dans la Droule, vous, la région? C'est un département, non? Regardez. On va y mettre maintenant notre farine. La farine. SR Gargantua, la mort est avec toi, Blix Remix. Mais qu'est-ce que cette histoire? Ça va, j'ai cassé la vitre extérieure de mon combi vendredi pendant que je me cramais le pouce. Attends, quoi? La vitre extérieure de ton combi pendant que je me cramais le pouce? Mais attends, c'est quoi ce truc? C'est quoi cette histoire? Non mais ça va pas quoi. Bon. On va passer vite fait. Je survole les rageux. J'avoue, rip le pouce et la vitre. T'as pas en sucette? Non, ça va. Hein. Juste toi, mais c'est un classique. C'est des fous. Non, ça va, c'est pas trop des fous. N'hésite pas à écrire sur une seule ligne, hein, man. Tu écris trop, regarde. 75 grammes de farine, les amis, c'est parti. N'oubliez jamais que vous pouvez faire des espaces et non des entrées. C'est pour te taquiner. Il faut faire attention parce qu'il y a la ligne. Taquiner, casser les couilles. Tu vas te faire time out. Refais le décompte à l'envers. Les amis, je mélange. On dirait Ibis, un peu pire que Ibis. Je vais essayer une banana bread avec de l'huile de coco et du beurre de cacahuète. Ouais, c'est bon, c'est une bonne idée ça. Moi, j'ai fait 100 beurre de cacahuète, tu vois. Un mois, c'est gentil ça. Qu'est-ce qu'il y a un mois? Un mois, ah ouais, ça va, un mois c'est léger. Non, mais Flying Yeti mérite pas un mois quand même, c'est dur. Mon doigt pour bannir me titille, je comprends. C'est un simple carton jaune, c'est un carton jaune qui est distribué. Vous voyez, j'ai bien mélangé, c'est bien souple. On va y ajouter. Fais-le, je me casse, tant pis. Mais à quel âge as-tu, Pro Gamer? On dirait que tu as 14 ans. Et que tu es énervé. Après, moi, quand j'avais 14 ans, j'étais pas énervé, tu vois. Tu as une chance de faire partie des gens. Les gens, ils sont gentils, rigolos, tu vois. Tu as une chance de faire partie d'une groupe de personnes qui peut être agréable, tu vois. Il faut pas le prendre comme ça. Tu veux taquiner et dès qu'on répond à ta taquinerie, tu pleurniches. C'est quand même dommage. Un joueur de... Je sais pas si c'est un joueur de LOL, mais... Le man est énervé. Les amis, levure chimique, c'est juste hyper en fait. Ah, mais non, le pro gamer reste là, on est bien. Mais oui, voilà, reste là. Je vais te taquiner dans un coin, tu vas prendre cher. Je pense que je dois faire deux fois ton poids. Mets-toi un petit verre de rouge, voilà. Regarde. Je vais me transformer. Oh, je fais plus jamais ça, c'était super cringe. On est en public, voilà. Gamer, tu n'es pas mon genre, tu n'es pas mon genre, Pro Gamer. Tu te boxes le cul. Frappe un coup dans ton écran. Essaye de me frapper, vas-y. Vas-y, frappe ton écran. Vas-y, mets un grand coup dans l'écran. Frappe. J'ai pris un chiffon pour sortir le plat du four. Alors, j'ai pris un chiffon pour sortir mon plat du four combi micro-ondes, ok. J'ai mal placé le chiffon, j'étais en train de me cramer le pouce. J'ai voulu fermer la porte du four avec le coude. Premier coup, la porte rebondit. Deuxième fois, la porte rebondit. Ça brûle sévère. J'ai eu un coup de sang. J'ai appuyé un peu plus. Ah oui, d'accord. Un peu plus mon coup de coude. La vitre extérieure explose. Putain, merde.
Je tiens plus la douleur, lâche le plat qui retombe par terre, explose une ombre. Putain, énorme! T'as fait vraiment un. T'as fait un carnage en fait. Tu t'es battu quoi. T'étais en mode. Ouais, d'accord. Je vois une scène de bagarre en fait. Réellement. Impressionnant les biceps, merci Gombi. Ça fait plaisir, Gombi qui est cool hein. Franchement. Je combat Times. Bah ouais, c'est chaud en vrai l'histoire. Après, ben. J'espère que ça va aller. Bah du coup, tu vas devoir faire quoi? Tu vas devoir changer tout ton truc parce que si tu pètes ta vitre, si vous pétez votre vitre de four, vous êtes fini tout, on peut rien faire en fait. Tellement impressionnant que ProGamer a disparu, pris peur. Voilà, pris peur de Fargos, normal. Attends, si Fargos nous met un coup, Fargos, il peut faire mal, hein. Il peut faire mal, il brise des fours. Regardez, vous voulez que je brise mon four, moi? On sait que t'es là, on sait que t'es là. Mais on se tient à carreau parce que maintenant on a trop peur de toi. On sait que t'es un fou. Ouais, il cherche la bagarre. Il a eu peur de se faire casser le genou. Normal. Normal. Tu sais, on dit souvent aux enfants, il faut se faire. C'est bien de vouloir se faire remarquer, mais il faut se faire remarquer pour les bonnes raisons, les amis. Donc là, je me fais remarquer, voilà. Je fais un stream Twitch pour me faire remarquer. Viens, je te casse la gueule à la récré. Là. Je ne vais plus en CP depuis longtemps, pro gamer. Quand la maîtresse t'a appris à écrire, c'était pas pour que tu sois méchant avec les gens sur internet. J'ai commenté une musique où. C'est une musique, bien sûr, je connais, t'as ta gueule à l'arrêt. Tu veux que je te mette? Vous voulez que je te mette, j'ai 10 ans. Je te la mets. Regarde, man. 70 euros la vie, putain, ouais, ça. Ils se font pas chier, comme on dit. J'ai pas chauffé mon four, les amis, les amigos, les amis bots. Je ne sais plus comment on dit. Ouais, c'est cher, carrément. À ta place, j'achèterai un four, hein. Mais du coup, ton four il coûtait combien par rapport à ça? Parce que du coup, pour voir un peu le rapport de force, parce que ça me semble hyper cher. C'est bon, j'ai mis du son. La chapeau de bleu. J'avoue, ouais. T'as vu, mais je pense que la cloque c'est trop tard. Je pense qu'il a dû. Si le temps que ça. Le temps qui s'est brûlé, à mon avis, la cloque a dû sortir direct. Je me trompe ou pas, par gauche. Toujours mieux qu'un four à 400. Ah, c'est coûte 400 quand même le four, ok. Sinon, t'as un four neuf comme bien et la porte se rétracte. Ça se rétracte comment? Le maître dit je me balade. Elle passe sous le four. Ah oui, comme ça. Ok. Bon, je ne casse pas le four aujourd'hui, les amis, c'est décidé. Non, rien à faire, je vois souvent. Et des petits hommes verts. J'ai envie de rajouter un peu de farine, j'ai l'impression qu'on n'a pas assez. La banane était peut-être un peu grosse. En tout cas, j'ai goûté mon petit doigt qui goûtait, c'était délicieux. Tu mets pas de pépites de chocolat? Bien vu, on va mettre des pépites de chocolat. Bonne idée. Allez, on met des pépites de chocolat. C'est Lovis qui a eu l'idée. Il me restait justement des chocolats à utiliser. Mâché à tous les vents. Il nous reste un peu de chocolat. J'ai pas suivi TFK. Je jette. La poubelle était fermée. C'est mon idée, c'est l'idée de Lovis. Très bonne idée. En vrai. On va mettre des pépites de chocolat et des pépites de chocolat noir, c'est ou pas? J'ai tellement de chocolat, c'est abusé. Donc, petite technique, si vous voulez pas acheter de pépites de chocolat, parce que ça coûte 3 fois trop cher la pépite de chocolat. J'ai pas suivi, bah je fais un banana bread enfin. Petite technique. Vous prenez un couteau, mais des noix. Bonne idée, les noix aussi. Super investissement en plus, le four fait peur, mais tout à l'heure. Top, c'est un investissement, ça doit valoir le coup, c'est clair. Non, tu t'es pas trompé, la cloque était déjà là, refroidie direct, une pommade, mais c'est bien tiré, on peut. Ouais, voilà. Rajoute du camembert, non, on mettra pas de camembert. Ok, la musique est finie, bah, c'était bien. Est-ce que vous avez kiffé la petite musique d'Alain Souchon?
Il s'appelle Tarte à gueule, bien sûr. On peut mettre Rasputin de Boney M, elle est marrante. Je vais baisser un peu le son, là, c'est le bordel. Ça va swinguer. Ok, donc petite technique pour payer pas très cher cette pépite de chocolat. Vous achetez du chocolat normal, en plaque, et vous regardez ce que vous faites. Regardez un petit peu. Regardez le geste. D'abord verticalement. Et ensuite, on tourne. Et voilà, vous avez des grosses pépites de chocolat bien comme il faut. Vous pouvez choisir en plus la taille que vous voulez. Moi, j'ai envie qu'elle soit un peu grosse. Le dessert se mange tiède, marrant. Tout à fait. Tourne et retourne, tac comme ça. Et si la brûlure est assez grande que la paume de la main, il faut mettre entière de la douche. Ah oui, carrément. On rejette les idées, je retiens. C'est vrai, on peut pas. Toutes les idées ne sont pas bonnes à prendre. Parfois, il faut mourir. On peut mourir pour ses idées. Couteau choco. Voilà, c'était couteau choco. Le couteau est marron, le chocolat est marron. Tac comme ça. Moi, j'aime qu'elle soit un peu grosse. Ah, je voulais dire les pépites. Après la visière, je sais que tu aimes les gourdins. Voilà, on peut le dire, on peut le dire, on est assez intime comme ça. Tu vas mettre je mets les entreprises de pépites de chocolat en faillite. Vainé vient de m'envoyer un MP, ça je regarde. Arrête ça tout de suite, sinon on sait où t'habites, on débarque. Voilà, il vient de m'envoyer, c'est Vainé qui m'a envoyé ça. Pour vous dire, hein. La pression psychologique que j'ai en faisant ces lives. Je prends beaucoup de risques pour vous livrer secret, pour manger bon et moins cher et sain. Et les industriels me mettent le couteau sous la gorge. Comme ça. Après, c'est bien fine. Banane noisette, ça passe ou pas? Bien sûr, banane noisette, c'est délicieux, Dédé. Si t'as pas de chocolat, tu mets des noisettes, c'est délicieux. Je n'ai pas, malheureusement. J'ai fini mes noisettes hier. J'ai fini hier, sponsor Vainé qui s'évapore. Merde. Après, s'ils me payent beaucoup d'argent. Non, je déconne. Non, mais c'est compliqué de. Après, Vainé, si, ils font des gousses de vanille. Gousses de vanille, j'achète chez Vainé. Hein. Donc, n'hésitez pas. Hein. En plus, c'est ce qu'ils vendent de plus cher. Donc. Ils seraient très heureux que je leur fasse vendre leur gousse de vanille. Regardez, on met dans le plat. Avec une petite marise, comme ça, c'est énorme. Ça part. Ça ressemble un peu à de la pâte à cookies, finalement, au niveau de la couleur. Ce qui est une bonne nouvelle. Hein. Vous voyez les rageux tout à l'heure qui disaient, ouais, niveau de la couleur, au niveau de la couleur. Et voilà, aujourd'hui, ils cliquent. Ils cliquent en pagaille, comme on dit. T'as le papier sulfu là qui est plié. Monsieur papier sulfu. On égalise bien. On va avoir un petit cube de banana bread. Merci Zolovins pour les 100 bits, c'est la tradition des 100 bits, c'est beau. Voilà, Fargo c'est indestructible, n'ayez pas peur. Voilà, ça devrait gonfler un petit peu, mais pas non plus exploser. Il est où mon ciseau? Il est où mon ciseau? Ils sont là. Mes ciseaux, pardon. Je fais des fautes d'orthographe, c'est une honte. En ce moment, je trouve que je fais beaucoup de fautes d'orthographe. C'est la génération SMS. J'écris en langage SMS dans la cour de récré. Et voilà ce qui m'arrive. Je sais plus parler. C'est ça aussi de devoir parler trois langues au bureau. Dont une qui est la langue des signes. Salut, man. Salut, Benoît. Benoît. Je me suis trompé, j'appuie n'importe où, là. Benoît. Hop, ça part au four, les amis. Pour un certain temps. Ok Google. Mets un minuteur 25 minutes. Le 7e minuteur pour 25 minutes. 7e minuteur, c'est les forceurs. C'est les forceurs, ils mettent des minuteurs à tout va. Quelle heure est-il, les amis? Quelle heure est-il? Madame Persil. Je veux un son, moi aussi c'est vrai, Néowiz, mais quel est ton vrai nom? Je ne sais pas. Quel pourrait être le son de Néowiz? Qui veut un son à son effigie? En vrai, ça peut se négocier, hein. Des sons pour tous les viewers. Sur un truc avec les points de chaîne, tu débloques un son à ton nom. Ah, c'est une bonne idée ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez de l'idée, hein? L'idéologie qu'il vient d'avoir. Non, mais ça va pas quand même, Wiz. Ma phrase préférée, c'est vrai qu'elle est stylée. C'est pour ça qu'on fait couler en amont de la brûlure, yes. C'est vrai, t'es pompier, le gargouille? C'est énorme ça. 2700 sons. Sympa l'idée. L'idée est pas mal en vrai. Du coup, ça vous fidéliserait. Ça vous fidéliserait. Vous êtes fidèles, les amis, mais encore plus. Comme ça, vous direz, il faut que je sois tout le temps chez Bardino pour avoir les points.
Je vous mets cette petite musique, les amis, grosse dédicace à Lovis. Je sais pas si on entend bien. J'ai monté un peu le son, j'adore. Fais le robot. Le robot cuisine, vous le connaissez? Le robot ménager. Ouais, c'est la musique de Shrek. Ah, stream en robot, ça va être rigolo. C'est vrai, d'attendre Malcolm, c'est à quel moment qu'il y a ça? Moi, je l'ai connu dans Shrek. Shrek 2. Qu'allons-nous vendre? Putain, elle est magique celle-là, ce TikTok-là. Ce TikTok-là, il est divin. Il est divin, Dédé. Tarte pomme. Je sens même toujours des solutions qui sont pas dans le bouquin, c'est vrai, mais je comprends pas vos histoires. En tout cas, vous avez une force de débat énorme dans le chat. Mais restons amis, les amis, restons gentils. Hein. Parfois, un problème a deux solutions, vous savez. Et parfois, il n'y a pas de seule réalité unique. Tarte aux pralines. Je mets une praline, moi. Quand la première fois du roller, oh putain, oui, magique ça. Magique, c'était peut-être un des meilleurs épisodes. On a tout. On en a pour tout. Tarte aux pommes, voilà, c'est ça exactement. Il en reste à 1000, le robinet, c'est super efficace. Ouais, d'accord. Tente la chanson Popcorn, original song. Attends, ça me dit rien. Bon, les amis, on fait un peu d'espace. Ah, c'est vrai, il danse comme ça. Je me rappelle. Bien sûr, c'était l'épisode de Malcolm. Bien sûr qu'il danse comme ça. Ok, ça me revient. Bien sûr, et il marche après comme ça avec les rollers. Et Malcolm, il est complètement honteux de son père. Il est complètement honteux parce que. Oh, c'est trop drôle. Merci de m'avoir rappelé ce moment incroyable. On va le regarder après. Putain, quel dingue. C'est trop énorme. Ah, j'adore ce moment. J'espère que vous avez aimé mon déhanché au niveau du fessier. C'était gratos. Et j'ai oublié de mettre ça au-dessus de la truc. Attendez. On parle, mais on oublie la recette quasiment. Regardez ce qu'il faut mettre au-dessus. T'as même fait un couteau. Petite technique supplémentaire. Les bananes. C'est cadeau, voilà, c'est cadeau. Merci. Ok, là c'est bon pour de vrai. I want to take you to. Ah, c'est grave. Funky town. I want to take you to. Funky town. Le petit robot. J'ai jamais entendu cette chanson si longtemps. Ouais, il y a quelqu'un qui change. Vraiment, ça tue, hein. Qu'est-ce que vous pensez de cette chanson? Un avis sur 10 de la chanson. Elle régale en vrai. Bon, moi j'aime bien, c'est tout. Du coup, on va écouter après Popcorn si tu veux. Mais je crois que je la connais. C'est sur 6, tu veux dire, Dédé. C'est sur 6. C'est ça que tu veux dire. Parce qu'elle est bien quand même. Regardez ce que je fais avec le ciseau. Je prends tous les risques, les amis, c'est très dangereux. Mais voilà. Bon, c'est fini. Alors, on va mettre la chanson Popcorn. Aujourd'hui, c'est old school. Old school Hollywood. 10 pour la chanson, merci à 7, voilà, 8, magnifique. Popcorn original song. Hot Butter, version originale, full single, 10, merci Ellie. Attends, ça envoie du lourd. C'est ça? Attends, on n'était pas encore. Il fait que des bêtises? Non, je fais que des bêtises enfin. C'est la régalade. Là, ça va être place au jeu. Ah, je la connais bien sûr. Après, on écoutera Crazy Frog si vous le souhaitez. Ok, il faut qu'on passe à la suite des événements, les amis. Après seulement 49 minutes de live, c'est déjà le buzz. Bref, il faut que je sorte le poulet. Il faut que je sorte la salade César.
Ah, la laitue, je suis en face à la saison entière. Old school. Laitue, cultivée en France, cœur de laitue. Là, c'est un iceberg, bien sûr. Sinon, ça va pas. Non, ça va pas. On va prendre, bien sûr, bien sûr. L'ingrédient secret, c'est ça. Hein. Ça va être le carré frais. Le laitue, effectivement. Si vous êtes intolérant au lactose, le laitue. C'est à l'envers. Il te faut de la salade romaine. On va dire que c'est romain. Regardez. Carré frais. Je le laisse au frigo parce qu'on le sortira également. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre? C'est déjà pas mal, hein. Un peu de moutarde, il y aura. Vous allez voir. Vous allez voir, tout va bien se passer. Là, on va s'occuper de la panure. Je me rends compte que ça va aller vite, en fait, tout ça. Mais bon, c'est pas... Du coup, voilà le bol pour la panure. Du parmesan, il y en a, bien sûr, du parmesan. J'ai oublié de vous le sortir. Le parmesan, tout à fait. Un bol pour la panure, un bol pour la farine, un bol pour l'œuf battu. On va préparer d'ores et déjà et des croûtons de pain. Les croûtons de pain, on va pas prendre des croûtons de pain, on va faire nous-mêmes. Avec du pain de mie complet, on va les faire croustiller dans une poêle comme ça. J'aime ça, ça vous trigger. On va le faire croustiller dans une poêle comme ça, avec de l'huile d'olive et un petit peu d'ail. J'aime bien. On va mélanger beurre, huile, un peu d'ail, et on va faire comme ça, croustiller. Chut, comme ça, vous allez voir. Ça va être un travail de fond, ça va être énorme. On fera ça à la fin, vers la fin. Et du roquefort, non. Par contre, il y aura du parmesan quand même. Donc c'est bien le parmesan, c'est déjà bien. Roquefort parmesan. Après, on pourrait faire avec du gorgonzola. On pourrait faire très bien une. Comment on appelle ça? Une salade César avec du gorgonzola. Le laitue, les dangers du LC. Voilà, les dangers du LC. N'oubliez jamais. C'est très dangereux. Quand vous mangez très sain pour vous, équilibré et tout, c'est très très dangereux. On pourra même mettre un peu de feta, il m'en reste. Vous voulez que je mette de la feta ou pas? Non, on verra. Non, on va pas mettre n'importe quoi dedans. Sinon, vous allez m'en vouloir. Vous allez m'en vouloir. Ça va être une mauvaise ambiance. J'ai pas envie que ce soit une mauvaise ambiance. Il faut juste un. Je vais prendre un verre en fait, je pense. Hein. Ouais, je vais prendre un verre. Alors, on va battre un œuf dans le verre. Une poêle, voilà, une poêle. Salut Musique Zach, comment ça va? Miss que Zach, pardon, je sais pas pourquoi je dis musique, j'ai l'impression qu'il était écrit musique. Miss que Zach, non. Des morceaux de pommes, non pas de pommes. Zola de Gorgon. Aldébert du gros son, c'est quoi ça? Là, on est parti sur un truc bizarre au niveau de la musique là. Je vais vous mettre le générique de Pokémon. Qu'est-ce que je peux vous mettre? Ah ça j'aime bien, écoutez ça. Ça vous allez kiffer. J'adore ça. Ok, ok. J'ai raté, putain. J'ai cassé tout mon flow. Mais du Lorenzo, pas de Lorenzo. Le son qui tue. MDR, Mevald, on mettra Vald après si vous voulez. Ma meilleure amie, on mettra. Kezak comme l'eau gazeuse. Ah oui, Kezak, bien sûr. Et je veux bien et petit. Bah écoute, ça va très très bien, ça va très bien, mais je suis bête. But I got to go. Ça va un peu fort là. Je vous baisser un petit peu. Comment ça va le Z-Tiger, le tigrou? Comment il va? Avec la petite. Le Gorgonzola fait un effort. F, bien sûr, je suis bête. Salut mon Tio, salut un homme de peu, comment ça va? Je suis en train d'écouter de la musique à fond là. Want you to know. Ça va? Un peu de farine? Petit dab de la main gauche. C'est comme ça qu'on panne le poulet, il faut un peu de musique. Du cornflakes. Regardez sur les cornflakes, il y a un petit poulet. Un petit poulet pourquoi? Pour panner le poulet. Greener on the other side. Putain, ouais, Trinidad. Il me faut un Birdidab, évidemment. Elle est super sadique, j'adore aussi. Hein. Je feel so there's a tension between you and me. Des Kellogg's, tout à fait.
Sans sponsoring, bien sûr. Tu m'apprends un truc, c'est vrai, vous apprends quoi? La panure avec les cornflakes? J'espère que si je t'apprends ça, ça me fait plaisir parce que c'est un peu une de mes spécialités. Enfin, c'est pas moi qui l'ai inventé du tout, mais je fais ça très souvent. Et ça me permet de faire des trucs panés très très bons et avec presque aucune matière grasse. Et ça, c'est une très bonne idée. Ne faites pas avec des Frosties. Je fais des instruments avec des objets musicaux, avec des objets alimentaires, pardon. Très bien, maintenant que tu es là, c'est bien ça. Ça va pas ou quoi, Néwiz? Attention, les amis. Et c'est dans vos oreilles gauche, oreille droite. Non, mais j'écrase un peu les cantettes. Pourquoi? Parce que ça doit être de la panure, il faut pas que ça soit trop bon. Ça m'a fait peur, c'est mardi, c'est mer. Felindra, tête de tigre. Vous connaissez ou pas? Elle est belle celle-là. Vous pouvez clipper si vous le souhaitez. Je vais très bien, Eva, merci à toi. Ça fait plaisir. Je te conseille de mettre une serviette et les tabasser. J'aime bien comme ça la main, moi, je kiffe. Regarde. The Vatra Monody. Ok. Non, mais sois pas vexé, enfin, Easy Tiger. Easy Tiger, sois pas vexé. En plus, j'ai dit Felindra, tête de tigre, t'as dû te sentir un peu concerné. Qu'est-ce que c'est le truc, mon ami Flying. Tu aimes voir les miettes de mes victimes, oui. Dis-moi un peu le truc, c'est quoi? The Fat Rat. Attends, il y a un truc qui s'est lancé. Qu'est-ce qui s'est lancé, là? Oh, le prank. Ok! J'ai pas moi qui fais, hein. C'est la lecture automatique. Marcel Sorquet, la fête des Pogba. Let's go. C'est juste parti. On n'est pas en train de mixer un truc pourtant. C'est ouf ça. C'est complètement ouf. C'est ma chanson les amis, c'est ma chanson. J'ai pas beaucoup de son, c'est triste, c'est vrai, bon, on peut le monter, hein. Mais là je l'ai mis pas très fort, sinon c'est la musique de fond quoi. Bon les amis, 2 secondes. Les effets spéciaux, mais évidemment les effets spéciaux, évidemment. Ouais mais je sais, la musique est faible. Parce que de base c'est la musique de fond, et vous foutez le bordel. On fout le bordel si vous voulez. La danse de l'épaule, vous connaissez? Very nice! Let's go. The round. Up and down. This way. Have a play. Je m'entends chanter, c'est énorme. C'est Lulu ça, c'est Lulu. C'est la musique.
Ouais, j'y arrive pas. Il y a un décalage entre moi et la chanson, je vous le dis. Arrêtez la musique. Arrêtez la musique. Il faudrait que je synchronise le son du retour. Attendez, parce que c'est quoi ce bordel? J'ai enlevé l'overlay. C'est pas ça que je voulais faire. Petite erreur. Il est où le truc? S'appelle-tu du... Ah, c'est Top Note. C'est Top Note. Ça m'a hyper triste, cette chanson. Les amis, je rebaisse le son parce que c'est carnage. Noob, very nice. Ne me dites pas ça, enfin. Qu'est-ce que je peux vous mettre? Un truc plus calme, un truc plus calme. On va se remettre dans le bain, quoi. Ah oui, parce que c'est la playlist musique indépendante. Avec Daft Punk dedans. Très indépendant. Vous avez une musique en tête? On se met une petite musique, regardez. Vous connaissez ça ou pas? Gros bordel. Olé! Rodrigo et Gabriela, tout à fait. La musique, ah oh putain, il est Tiger. Qui ne connaît pas, je pense que plein de gens ne connaissent pas. On va faire la musique de Tiger, c'est Marcel à son orchestre, c'est énorme. C'est énorme qu'il nous demande ça. J'avais peur que le poulet tire un peu la gueule, mais... Non, ça va en vrai. Je ne connais pas, bah voilà. Tout le monde ne connaît pas tout, c'est normal. Marcel son orchestre l'a fait des pauvres gueux. Des pauvres gueux. Vas-y, je vais faire la chanson. Les amis, petite pause. Shine Out, c'est quoi ça? Tamakoon, tout à fait. Je laisse Tamakoon et après on fait la chanson, ok? Ok, je vous explique comment on fait. Il faut de l'assaisonnement, sinon ça va pas. Alors, j'assaisonne directement le poulet. Après sinon il va être cuit au four, donc il faut l'assaisonner maintenant, sinon on n'assaisonne pas le poulet, c'est pas bon. Donc on met de l'ail dans la panure, ail semoule, la pluie, toujours autant de pluie chez moi. On va pas mettre ça. C'est une vétubeuse. Ah oui, ok. C'est les personnages. Je vois ce que tu veux dire. De là où de la semoule, de l'ail semoule. Non, pas de paprika. Pourquoi? Parce que dans cette saison, je vais mettre de paprika. On mélange pas tout n'importe quoi. A bit of cayenne just to stay in shape. C'est pas Gordon Ramsay qui dit ça? C'est ce qu'ils disent un avatar virtuel plutôt. Ok, je vois. C'est les streamers, ouais. Ok. C'est Rodrigo et je sais plus qui, Rodrigo et Gabriela. C'est Chef John. Ah oui. Bon, je mets la blinde de poivre, d'ailleurs il est ouf, mais en fait parce que ça coule très doucement et c'est chiant. Du coup je suis obligé de faire 1000 coups de moulin. Je peux pas être au four et au moulin. Ok les amis, c'est une bonne situation, ça vétubeuse. Les amis, regardez comment on fait. Vous me dites si c'est trop fort la musique, elle a l'air de gueuler. Je la baisse un peu. Regardez, je mets un peu de farine. On est fariné, on siffle la farine, non. On met la farine, on met le petit morceau dans l'œuf. Regardez, hop. Et là, hop, on l'envoie là-dedans. Et magie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est Miss Kézak, est-ce que tu es toujours là? Regarde Miss Kézak. Une fois que ça ressort, tu vois, c'est nickel. C'est tout crousti. Et ça, c'est excellentissime. Vos idées ont du génie. Moi je suis enceinte, ça passe nickel. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est pas mal. On va le laisser. Par contre, ça gueule aussi. Hop. Vous voyez, hop. Ah oui, vous dites en génie. C'est pas trop fort, non, ça va. Ouais, j'imagine que si des gens ne connaissent pas, ils vont être vite interloqués. Mais on est aussi là pour interloquer les gens.
S'ils me connaissent, s'il y a des gens qui arrivent et qui ne me connaissent pas, ben bienvenue les amis. Et c'est ça qu'on veut. On veut vous faire kiffer. Trop rapide. Au niveau de la blague, vous êtes très rapide, effectivement. Donc on continue. Ça fait des années que j'ai fait mon petit poulet de pané de cette façon, c'est vrai. Attends, mais c'est qui a dit qu'il ne connaissait pas? C'est pas toi, du coup, je confonds. Je confonds complètement, alors. Ah, c'est moi. Pardon, excuse-moi, mais c'est toi, mais bien sûr. Miori. Maiori Games. Excuse-moi, j'étais ivre. Parce que vous avez écrit exactement au même moment, avec un pseudo de la même couleur. Ça m'a fait trop bizarre. J'ai débarqué hier grâce au raid de Nena. Ah, c'est cool ça. Écoutez, si vous êtes un Nénos, un ou une Nénos, vous êtes bienvenus ici. N'hésitez pas à rester le plus longtemps ici chez moi, ça me fait très plaisir, tant que vous pouvez, tant que vous le voulez. Road to avoir des viewers super cool, les amis. C'est moi qui dis que je connaissais pas. Ok, ouais, c'est bien toi, d'accord. J'aimais bien que c'était du Santana. C'est du Santana? N'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux, bien sûr. On oublie de préciser. Pour pas né, pensez à fuck, c'est vrai, pensez à fuck. De manière non grossière. Dans la salade César, c'est pas des crispy tenders, non. Mais dans ma salade César, c'est des crispy tenders. Pourquoi? Parce que je fais ce que je veux. Et que ça va être délicieux. Road to Valhalla, voilà exactement. Road to the top. En vrai, j'aimerais bien aller à la TwitchCon. Et on vient de m'apprendre, figurez-vous, on vient de m'apprendre un truc. Que à la TwitchCon, ceux qui étaient Twitch partners avaient le droit à un concert exclusif de Snoop Dogg. Et moi, je suis pas Twitch partner. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'ai jusqu'à juillet pour être Twitch partner, les amis. Pour aller voir Snoop Doggy Dogg. Voilà, qu'est-ce qu'on attend? T'aurais pu commander au KFC. César est mort, vive César. Je testerai de paner comme ça. Bah ouais, ça va te mettre bien. De Snoop Dogg. Snoop Doggy Dogg. Toujours adapter, c'est une recette selon les goûts, c'est meilleur. Bah voilà, exactement. En plus, l'avantage, c'est que... Snoop surcoté. Bah ouais, après, je paierai pas des milliers pour le voir, mais... C'est juste un prétexte. Un prétexte pour vous fassiez en sorte qu'on soit partenaire. C'était un scam. Non, mais ça serait bien de pouvoir... bon, c'est à moi de le faire, vous le savez. C'est à moi de le faire. La route est longue. Mais en vrai, pas si longue que ça non plus. C'est la farine du côté. Ouais, c'est la farine. Ça, c'est de la farine, ouais. Farine, œuf battu, et ça, c'est des cornflakes assaisonnés. Snoopy, le dog, voilà, c'est Snoopy. Plus croustillant, est-ce qu'on referait un tour dans l'œuf, cornflakes, une deuxième fois? Oh, tu peux tester, mais ça marche pas très bien. Toi, tu l'as déjà fait, ça? Parce que moi, je trouve que ça marche pas trop, hein. Parce que, avec de la chapelure classique, ouais, mais là, j'ai peur que ça soit une catastrophe, en fait. Pour que tu sois partenaire, il faut que j'ai 75 viewers moyens pendant 30 jours. Enfin, sur les 30 derniers jours, il faut que j'ai 75 viewers moyens. Donc, pas toujours facile, mais... Voilà. C'est... J'ai jamais testé avec du popcorn. Écoute notre chef, Easy Tiger. Non, mais si je fais ça, ça va être un carnage. Le père Paul, ouais, je sais, Paul est passé partenaire, ouais. Bah, il y a plus de viewers que moi. Mais c'est cool pour lui, franchement. On espère faire comme lui. Interdit de toucher pendant 5 minutes. À quoi tu vas interdire de toucher, là? Tu te fous de ma gueule ou quoi, Dédé? Les cornflakes. Superbe. Bon, les amis, on passe à la musique. On passe à la musique de Easy Tiger. Pour 5 minutes. Parce que Dédé a décidé qu'on ne touchait plus au cornflakes. Mais attends, mais le banana bread là. Oh, vous avez vu l'œil que j'ai eu là? Oh, ça va. Ah, je voulais rajouter du temps. Ok, Google. Mets un minuteur, 4 minutes. Allez, c'est bon. C'est pour toi, Dédé. Mais tu parles bien à Dédé. Bah, je parle très bien à Dédé. Dédé, c'est mon petit chouchou. J'ai le droit de lui dire ce que je veux. Cornflakes, 7 flex. Avec des cornflakes. Il a un fort potentiel, oui. Flingity, t'aimes pas sa bête? Alors, pour toi, il y aura une diversion sur ton stream, tu devras avoir plus de views. Bah, écoute, McLovin, Je n'attends que ça. J'attends que ça. Je fais tout pour que ce soit le mieux possible. Et que les gens soient le plus contents possible et viennent le plus possible. Après, s'il ne vient pas, c'est la faute est partagée, comme on expliquait. Le mérite. Le mérite, c'est vraiment très... Le mérite, c'est vraiment très subjectif.
Je le disais donc. Zidegger, désolé pour les minuteurs. Je t'aime pas, moi, t'es pas beau, ça va, quoi. Mais ouais, non, je kiffe à fond ce que je fais. J'espère que ça marchera à donf un jour. C'est mon rêve, vous savez très bien. Si je fais tout ça, c'est pour que ça marche, évidemment. Pour que vous kiffiez, pour que je kiffe. Quand on fait ce qu'on aime, souvent, ça finit par payer, je pense. Quand on donne tout pour le public. Et puis, ben voilà, on va tout faire. N'hésitez pas, si vous voulez m'aider, vous pouvez m'aider. En regardant, bien sûr, la chaîne. En soutenant la chaîne. En parlant dans le chat, en étant rigolo. En partageant des moments de folie avec moi. Amenez vos copains, faites ce que vous voulez. Mais pour moi, c'est une belle aventure déjà. Et ce qui compte, c'est l'aventure de toute façon. Si c'était facile, ça serait pas si bien que ça. Parce que le fait que ça soit difficile, un petit peu un challenge, ça rend aussi les choses belles, vous voyez. Donc voilà. C'était le mot de FBR 2. C'était le discours du roi. Mais voilà, non, mais ça me fait plaisir. En tout cas, tu trouves que je mérite, ça me fait plaisir. C'est grâce à tous les gens qui pensent que je mérite que bah je continue et que je me donne parce que les gens continuent à venir et à être cool sur le stream. S'il y avait personne, bah, j'aurais peut-être arrêté. Et en l'occurrence, je n'arrête pas puisque ça marche relativement bien. Faut que des streamers qui ont du fame te donnent de la force. C'est vrai que ça peut jouer dans le... Dans la balance, effectivement. Je te regarde plus que mon homme, donc je vais moins te regarder. C'est impossible que tu me regardes plus que ton homme, je pense. Mon cher Easy Tiger, je vais te chanter ta chanson. La chanson était donc, tu peux la retaper dans le chat si tu es toujours là, pour que je puisse tout simplement la jouer, si tu peux. Tu préfères aller dans le passé pour rencontrer tes ancêtres ou dans le futur pour rencontrer tes arrière-arrière-petits-enfants? Je préfère aller dans le futur. Retour vers le futur. Marcel et son orchestre. Je vais avoir trop du mal à trouver cette chanson. C'est une chanson connue, Marcel et son orchestre, au moins. Je sens que ça va être difficile. Marcel et son orchestre, putain. Je vais jamais trouver la son ou quoi. Du coup, je préfère en aller dans le futur, voir les petits-enfants, c'est mieux, je pense. Parce que ce qu'ont fait les gens du passé, tu peux le savoir, grâce à la traçabilité. Alors que l'inverse, non. Un lien avec la fellation. La fellation est bien plus sympa que la fée des pauvres gars, je pense. Je la connais pas. Est-ce qu'il y a un truc avec les accords? C'est terrifiant ce que vous me faites chanter. Table lyrics. Il y a pas... Merde. Il y a que les paroles. Bah, je vais faire une version absolument abusée. Tu préfères des dents en mousse ou à chaque fois que tu parles, il y a un rat qui sort de ta bouche? Tu n'as pas utilisé les points, je ne réponds pas à cette question. Non mais Easy Tiger, je peux pas... Easy Tiger, je peux pas... Je veux pas la jouer ta chanson, c'est impossible. Écoute comme c'est joli, c'est superbe. Je suis faible, lâché sur moi et comme ça suffisait pas. J'ai une tête qui te revient pas. Tu l'as dit. On ne voit que ça. Ok, je joue avec le temps alors. Ça me saoule le truc qui vient toujours. À peine je n'ai dehors et je tombe sur un tordu qui veut me taper dessus. J'essaie bien d'intimider en miaulant à Bruce Lee. Je commence par m'excuser. Non mais je m'en sors pas, la chanson elle est inchantable. Easy Tiger, je ne peux rien faire. Et pourquoi ça arrête pas de sonner ça? Je comprends pas, il y a un problème avec le minuteur. Ça sonne toutes les 40 secondes. Là, je suis pas bien, les amis. J'ai un problème de minuteur. J'ai une malédiction. C'est cursed. Il y a un autre minuteur qui s'est lancé. Putain, j'ai supprimé des minuteurs. Je suis bien, là, avec ma musique, là. Hein. Avec le temps de Léo Ferré. Ah oui, avec le temps, on va tout s'en va, bien sûr. Dans le passé, pour acheter l'almanach des sports, bien sûr. Bien sûr. C'est vrai que c'est une bonne idée, j'ai pas pensé à ça. Mais c'est un méchant qui fait ça. Je passe en l'heure, je vais bosser. Bonne soirée à tout le monde, merci. Faire gosse avec plaisir, je la connais pas bien avec le temps. On va la jouer vraiment à l'arrache.
Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage, on oublie la voix. Le cœur quand ça bat plus, n'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire. Et c'est très bien. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes, sous le phare d'un serment maquillé, qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps va tout s'évanouir. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs que t'as, une de ces gueules. Et la galerie farfouille dans les rayons de la mort. Mort, mort. Le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour rien. L'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux. Pour qui l'on vendu son âme et quelques sous. Devant quoi l'on se traînait comme se traîne les chiens. Avec le temps va, tout va bien. Et voilà, Easy Tiger, tu as voulu tuer tout le chat. Bonne soirée, le boss. Boss du go boss. Bon, voilà, c'était le moment musical le plus triste de la chaîne. C'était très triste, cette chanson. Je reviens. Salut. Ah oui, tu t'en vas. Attends, tu reviens? Tu viens de revenir ou tu t'en vas? J'ai pas compris. Avec le temps va, tout s'en va. Avec le temps va, tu t'en vas. On repasse, attendez, on repasse comme ça. Oh, mais merci beaucoup. C'est trop top. Mais merci beaucoup. Bonsoir. Et le chat, bien sûr, je tenais juste à dire que je suis en lurk sur tes streams depuis un mois. Je kiffe de ouf la cuisine, l'humour et la guitare. Je ne peux pas trop participer cause IRL, mais continue ainsi, c'est top. Je mate tes rediffs en tous les cas. Et merci beaucoup pour les 500 bits. Merci beaucoup, hein, Nicochon. C'est énorme. C'est le genre de message magnifique qui nous fait vraiment super plaisir. Qui me fait super plaisir et qui me surprend des fois de gentillesse. C'est ouf. Mais merci beaucoup. Je suis regardé depuis un mois sans parler parce que tu peux pas. C'est quand même énorme, mais ça me fait très plaisir. Écoute, et ça me touche ton message. Et merci pour tes 500 bits. C'est énorme. C'est clair, ce genre de soutien qui fait vraiment beaucoup de bien. Et ben merci beaucoup, franchement, je ne sais que dire, je suis un petit peu touché par ce message, c'est très très gentil. Et ben oui, je vais continuer la musique, la guitare et l'humour, c'est un petit peu tout ce que j'aime et tout ce que je partage avec vous. Je viens de revenir, oui, je me disais, hein, parce que je t'ai dit je reviens, c'était un peu, je m'en dis, tu t'en vas ou tu arrives? Tu t'en vas et tu reviens, voilà. Mais merci beaucoup en tout cas, ben on pense à toi, je penserai à toi maintenant en continuant mes beaux streams et j'espère que tu pourras continuer regarder mes streams, pardon, et si tu me regardes dans les rediffs aussi. Je serai là. Tu pourras voir dans mes yeux peut-être une petite pensée. T'as vu l'escalier, tu veux que je fasse l'escalator comme ça? C'est l'escalator qui a fait la chaîne. Hop là, je suis là. Je remets une musique de fond, ça vous va? Musique de fond qu'on entend que en live. Mais en tout cas, merci beaucoup, ça fait super plaisir. On n'entend plus de musique. Hop, le petit poulet! I was up before the dawn. I really have enjoyed this day. But I must be moving on. Like a king without a castle. Like a queen without a throne. I'm an early morning lover. And I must be moving on. Pas de fromage dans le gâteau, non? J'étais parti à préparer à manger, oui, je me doute. Le petit poulet du Colonel Sanders, voilà, exactement. Vous le voyez pas, en fait, là, le poulet. Regardez, hop là.
On peut retoucher au cornflakes parce que Dédé il a utilisé ses points, mais c'est bon, ça fait 5 minutes. Bon, ça va, Easy Tiger, j'étais pas trop déçu avec la musique, t'as aimé un petit peu? J'aime bien, j'ai bien cité Stéphane, maintenant on ira plus loin, sur, on ira plus sur du Bashung, ouais, ça peut y aller du Bashung. Hein. Après, je peux monter un peu, mais ça dépend des voix, tu vois. Ça dépend un peu des trucs, mais j'aime bien les trucs graves, effectivement. Ça gueule un peu la musique là, non? Bon, attendez, je baisse quand je peux. Ça bombarde. Niveau musique, c'est fort ou c'est pas fort? Dites-moi un peu. Enfin, moi, je kiffe, hein, mais faut que vous m'entendiez quand même, tu vois. Goodbye, stranger. Feel me like. Un poil fort, ok. Je ruine ma souris alors pour vous. Chef Bar Dédé, il mérite d'être remboursé. Comment ça, j'ai triché? Ça fait largement le temps, tu rigoles quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Dédé? J'ai pas triché, ça fait 5 minutes. Alors, tu ne déçois jamais, tu as un grand cœur, tu n'es qu'amour, tout ce qui est fait en ce sens n'est qu'un don du ciel, merci beaucoup. C'est quoi la musique? C'est Goodbye Stranger de Supertramp, que je vous conseille. Super musique. Merci, Jitager, merci, Jitager, ça fait gentil, c'est gentil. C'est gentil, blague à part, c'est très gentil. Vous êtes gentil. MDR, tu m'épuises. Despé est épuisé, voilà. For them, just didn't tell. On est partout, bien sûr que ça fait plaisir que vous soyez là. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça marche. Tant que vous êtes là, moi je suis heureux, ça me fait plaisir. Thanks, mais pas de soucis, mais skedak. Là pour vous apprendre des trucs aussi, c'est ça qui est cool. Musique et cuisine, c'est un peu mes deux trucs, tu vois. Humour, après, vous pouvez me demander. Et mon... C'est vous passez toute la journée ensemble, c'est vrai? C'est énorme. Vous êtes collègues ou quoi? Oh, merci beaucoup Nicochon pour l'abonnement, merci beaucoup. Tu as rejoint la team. Tu as rejoint la team Cookiette, n'hésite pas. Hein. Si tu veux, tu peux rejoindre aussi tout ce qui est Insta, Discord, tout ça. Parce que comme ça, voilà. Tu pourras nous suivre en différé également, parce que... On aime les gens gentils comme ça, tu sais. Et si tu nous suis, si tu me suis sur Insta et tout ça, tu pourras nous suivre de loin aussi, à voir les plats, voir les photos, Discord, etc. Collègue Twitchien, ah, voilà. Bon, c'est bien. Je le vois plus que ma meuf. C'est dommage. Dommage peut-être pour ta meuf, pour toi, je sais plus. Après, je ne sais pas, je connais pas, peut-être qu'il est mieux. Et merci infiniment pour ton sub, ça fait très plaisir. Tu rejoins la team Coquillette. L'aventure est Barnio 2. Ça fait plaisir d'avoir toujours des nouveaux qui nous rejoignent, toujours plus de gens qui aiment. Ce que je fais, je continue à faire ce que je fais à fond, et puis si les gens kiffent, on kiffe. Et Barnio, t'écoutes du stand-up américain? Alors, pas du tout. Et toi? Tu n'es pas Topaz Upgifter. Ah, ça met la pression directe, comme ça, ça... Moi, je... J'aime ton état d'esprit, mais après, attention, hein. Je ne force personne au don. Je ne pousse personne à la consommation. Certains disent que j'ai du mal à me vendre. Tu vois, là, j'aurais dû enquiller. Si j'avais été un bon commercial, j'aurais enquillé sur tes paroles d'esprit. Mais j'ai le cœur trop pur. Moi, ce que je veux, c'est surtout que plein de gens me regardent plutôt que plein de gens. Après, si, je veux les deux. Mais je veux surtout que plein de gens me regardent et que plein de gens s'amusent dans mon chat. Si vous pouvez choisir entre 1000 subs et 1000 viewers, je choisirais 1000 viewers. Je vous dis la vérité. Pourtant, 1000 viewers, 1000 subs, c'est beaucoup d'argent. Mais voilà. Il va enquiller tout seul, je suis pas sûr. On croit en toi, merci d'aider. Là, vous pouvez croire en moi. Là, je suis en maîtrise, je suis en contrôle. On va bientôt retirer le banana bread du four d'ailleurs. Faut qu'il soit bien cuit, mais quand même, faut pas abuser. Pas cramé. Il fait aucun effort. Si, il fait des efforts ici, enfin. Ah, je ne laisserai pas dire ça. Je vous laisserai pas dire ça. Le tigre est mort ce soir. Let's go. T'inquiète, y a pas besoin. Y a pas besoin de ça. Super train en musique de fond. Bah ouais, Captain Brocoli, n'hésitez pas. Non, un truc que vous pouvez faire, qui est gratuit pour vous. Je vous dis, allez. Là, je vous parle de vous à moi. Un truc gratuit que vous pouvez faire pour m'aider, c'est de parler de moi en fait, tout simplement. Et regardez les streams, c'est tout. Ne vous mettez pas de pression. T'es viré, non, personne n'est viré. Toi-même, tu sais. Beaux nuggets, ouais, c'est des nuggets, carrément. Des nuggets healthy, et ça, c'est bon. Regardez, hier, Nena, elle m'a raid. Il y a plein de nouveaux gentils maintenant, il suffit de peu en fait.
je vais te faire un max de pub. Bah ouais, non, en vrai, ça, sans blaguer, ça me fait plaisir. Un artiste d'être récompensé à sa juste valeur, j'occuperai moins des rediffs en état rabot. Ouais, bon, ok. Mais après, que vous vous abonniez, oui, un abonnement, vous vous donnez à hauteur de ce que vous pouvez, surtout, en fait. J'ai pas envie que vous vous sentiez poussé à la consommation. Après, si vous voulez me soutenir de bon cœur, venant de vous, ça me fait très plaisir, bien sûr, parce que ça me soutient énormément, ça me permet d'acheter plein de matos, plein de choses. Je suis content d'être passé à prix des plein de trucs, bah ça me fait plaisir. Hein. Ça me fait plaisir que tu passes des bons temps et que t'as pris une super 30, cette ambiance années 80-70, c'est bon ça. Yes. Juzam supérieur à Tigre, c'est vrai. Même Sardine. Sardoche, tu veux dire, un abonnement vaut mieux que deux, tu l'auras, voilà. Je pense, ouais. Non mais oui, c'est clair, de toute façon, moi je laisse mes rediffs offertes à tout le monde, parce que j'estime que, ben, si on veut regarder mes rediffs sans être à beau, on peut, c'est cool, tu vois. Si vous êtes là depuis peu de temps, si vous n'avez pas forcément possibilité de vous abonner à tout le monde, voilà. Je me sentirais mal de faire payer mes rediffs. Après, je vous ai dit, je suis pas très commercial. Je vais craquer mon PL pour ça. Non, par exemple, ça, vous ne le faites pas. C'est une très mauvaise idée. Je me sentirais mal de ça. Mais après, non, il faut pas non plus. J'ai du mal. Ça, c'est un truc... ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. C'est qu'on se dit, est-ce que je mérite tout ça? Mais en fait, oui. En fait, mais bon, c'est spécial. On se demande toujours. Bref, vous faites ce que vous voulez, faites ce que vous pouvez. Le plus important, c'est de me regarder. Tu fais des cordons bleus maison. Alors, presque, je fais des... Non, pas du tout, en fait. Mais je fais des nuggets, en fait. J'ai une espèce de nuggets avec des nuggets. Regarde, c'est en haut à droite de votre écran. Des nuggets avec des cornflakes, en mode posé. Pour que ce soit bien croustillant. Et on va faire une salade César avec ça, ça va être délicieux. Du coup, pour la salade César, il ne restera plus qu'à faire la sauce. Là, on va faire les croutons, si vous voulez bien, les amis. Il faut que j'y prenne des cours avec Seb. C'est qui, Seb? Mais en tout cas, j'adore ce que je fais, je suis très fier de ce que je fais, je suis très content depuis que je suis sur Twitch, ça fait quasiment un an et demi, ça fait plus d'un an et demi en fait. Et je suis très content de mon contenu, c'est de mieux en mieux je trouve, et je suis très fier de vous proposer ça. Et voilà, ça me rend assez heureux déjà de faire ça. Puis je continue toujours à avancer petit à petit, et ça me fait plaisir de voir que ça avance, tout ça. Puis voilà. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Fan de KFC, un racketteur de Twitch, c'est vrai? Je connais pas. Mardi, mais sentez-vous, il passe 30 minutes à retirer le cube de carottes, si c'est la cuisine accessible que j'aime. Et il me donne plein d'idées. Ben voilà, c'est vrai que c'est assez accessible. Je ne suis pas un vrai chef, comme on dit. Mais j'ai plein d'idées, de trucs plus ou moins difficiles. Des fois, il y a des trucs durs, des fois, il y a des trucs simples. Mais plein d'idées, plein de bonne humeur, plein de musique, plein de fun. Je suis quasiment un humoriste. Hein. Quand j'ai commencé les cuisines sur Twitch, je me suis dit, je vais juste faire rigoler les gens. Et au final, je me suis dit qu'en fait, je pouvais en plus de faire rigoler les gens, leur apprendre plein de trucs en même temps, parce qu'en fait, je connais pas mal de trucs en cuisine, finalement, à force de faire plein de trucs. Donc, c'est assez sympa, c'est donnant, et on en a pour tous les goûts, toutes les saveurs. Voilà, burger d'1m83 par exemple. 1m83, j'y tiens. Je vais vous mettre une petite musique là, c'est le bordel. Me gustas tu. Mais voilà, c'est le kiff quoi. C'est l'aventure et Bernie le 2. Le burger, voilà, c'était le burger. Moi je suis bien content d'avoir découvert grâce à la fibre super commune et on passe de super moments. Bah, merci beaucoup. J'espère. Bartimus Croupton, voilà, des croutons, Junior. Mais j'espère que ça va continuer. Moi tant que je kiffe, tant qu'il y a du monde qui nous regarde, je continuerai. Toujours plus loin, toujours plus fort. Pardon monsieur, il n'y a aucun souci, je te pardonne. À quoi un burger de 2 mètres? À quoi un burger de 5 mètres? En vrai, un jour un burger de 5 mètres, hein, le record du monde, on le fera les amis, vous savez bien qu'on le fera. C'est toi le bail sombre. C'est quoi cette histoire de bail sombre? Je suis que lumière. On ne sait plus. Je ne sais plus ce que vous racontez, mais ça me fait plaisir. Bref, les amis, ma vanille, tu connais ICO et Dodo Sound? Non, je connais pas. Fait bon d'être pauvre. Attends, j'ai rien compris. Moi, je compte partir faire un tour. Attends, j'ai pas vu rater un truc là. Moi, je compte partir faire un tour du monde, mais l'économie, après mes calculs, je vais partir 4 jours. Ah oui, c'est des Crispy Tenders, tout à fait. J'ai raté ton truc, la visière. Bah écoute, 4 jours de tour du monde, c'est déjà bien, hein. Non, c'est pas ouf. Mais après, voilà, tu peux faire le tour du monde en... Techniquement, tu peux faire le tour du monde en 4 jours, tu prends un seul avion qui fait le tour du monde. Ça va, en vrai. Elles sont belles, tes crevettes. Voilà, c'est des belles crevettes. Du coup, je connais pas, c'est qui Iseo et Dodo Sound? C'est des musiciens, j'imagine. On va sortir le truc du four bientôt, hein. Regardez. Pour savoir si c'est cuit, je vais prendre un couteau, je vais le tremper, et si ça ressort propre, c'est que c'est cuit. Parfait. Je vais laisser chauffer le four, regardez. Peu d'idée, regardez la petite touche, le petit détail qui tue. Le dessous plat vinyle. Les plages horaires, attends. Quelle plage horaire? J'ai rien compris.
Le petit banana bread qui est là, regardez. On est là quoi, hein. Franchement, en mode posé ou pas? J'ai oublié de faire un TikTok, c'est pas grave. C'est des Espagnols qui sont très connus et ont sorti une nouvelle LP la semaine dernière. Ok, je connaissais pas. Par contre, je suis imbaitable. Qu'est-ce que t'as dit? Vas-y en haut à droite. Ça me fait penser à une meuf en troisième. Il est beau, merci. Miam. Beau. Il est bello. Voilà, vous avez vu. Eh, c'est la technique, c'est de mettre les bananes, les demi-bananes coupées en deux au-dessus comme ça. Pour que ça fasse un petit peu caramélisé, croustillot, vous voyez. Et banana bread 100% LC, bien moelleux. Donc là, vous pouvez voir que j'appuie dessus, c'est un peu moelleux, vous voyez. C'est un peu chaud, donc je fais attention. Et je laisse refroidir. Par contre, j'ai pas compris la meuf en troisième. Je vais peut-être pas savoir. Les amis, on va faire... Maintenant, on va faire griller ceci au four, sans transition. Un avion pour faire le tour du monde, tu fais ça en moins de 2 jours grâce aux, aux différents plageurs. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'étais complètement pas dans le truc. Les amis, c'est parti. Ça part au four. Là, ça va partir pas trop longtemps parce que fais gaffe, 20 minutes. Ok, Google. Mets un minuteur 20 minutes. Et pour Easy Tiger aussi, mes enfants, s'il te plaît. Voilà, il l'a dit. Il l'a mis pour toi aussi, Easy Tiger. Comme ça, t'es tranquille. Ok, on va passer aux croutons. Les vieux croutons. Regardez, vous connaissez Roland Garros? Personne ne savoir, j'avoue que. Oui, on veut peut-être pas savoir, c'est vrai. Parfois le, comme on dit, ignorance is bliss. Mieux vaut pas savoir, quoi. Mieux vaut mourir con que triste, quoi. Je viens de l'inventer, ça, finalement. Mieux vaut mourir con que triste, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? T'as l'air d'avoir un bon coup droit, je sais pas jouer au tennis. Qui a déjà un tennis avec des poêles? J'ai jamais fait, non. Ça marche ou pas? Pas moi. Les amis, on va faire rôtir. Je pense qu'on va pas mettre beaucoup non plus de croutons. Hein. Mourir con, c'est triste. C'est moins triste que mourir triste. Ah, c'est Polo et Pan. Vous aimez bien la musique de fond ou quoi, les amis? Franchement, ça met une ambiance de fou maintenant, hein, quoi. Ok, les croutons, ils vont être faits à partir de ça. Bah ouais, tu sais pas que t'es con, t'es heureux toute ta vie. Tu es un petit... Tu es un pain de mie, Harris. Comment on peut savoir qu'on est con? Puisqu'on est con, on peut pas savoir, là. Voyou seul sur son tandem, c'est quoi cette chanson? Flinguetti, tu me fais peur, des fois. Mais de manière assez peu effrayante aussi. Je sais pas trop comment expliquer. Je suis dubitatif. Ok, donc là, on sépare. Je sais pas pourquoi j'ai coupé avec un couteau comme ça. J'aurais dû couper normalement. J'ai fait n'importe quoi, mais c'est pas grave. Je trouvais ça rigolo de couper comme ça. Je trouvais ça tendre. Tu es un pain de Miaris. Je donne des chansons normales. C'est vrai, mais je connais pas tes chansons. Après, on peut les écouter. Un jour, tu auras la main sur le son glisse. Je sais pas comment on pourrait faire. Normalement, il y a une commande. Je vais essayer de mettre en place ce truc, les amis. J'aime trop pour le pan. C'est vrai, moi aussi, j'adore. Je connais pas bien, mais depuis que je connais, j'adore. Mais je connais vraiment pas bien. Mais le peu que je connais, voilà. Vous avez compris, quoi. Ok, huile d'olive dans la poêle. Ce sera quasiment la seule matière grasse ce soir. Du beurre, de l'huile d'olive. Et c'est tout, du beurre et de l'huile d'olive, on va faire griller notre pain. On va faire croustiller notre pain dans cette matière grasse. Elba, influenceur lifestyle, c'est vrai, je suis lifestyle. Pourquoi tu dis ça? Il a fait une chanson sur l'île en plus parce que c'est un Lillois, c'est vrai, énorme. Bah vas-y, je suis chaud. Dans la canopée. Non, c'est pas ça. Pourquoi tu mélanges le gras? Alors. En fait, le fait de mettre du beurre et de l'huile, ça empêche le beurre de brûler. Du coup, c'est nickel top en fait. Philosophe, c'est vrai que je suis un peu philosophe. C'était un pote qui me disait ça quand je venais boire le thé.
C'est vrai? Et c'était un pote-pote ou... Bon, je sais pas pourquoi je dis ça. Il voulait te séduire. Je vais trop loin, je vais trop loin dans mes questions. Je m'immisce dans la vie de mes viewers, dans la vie de mes regardeurs, dans la vie de mes choupinés. Ouais, en fait, si vous voulez pas brûler votre beurre, vous mettez un tout petit peu d'huile avec. Là, en l'occurrence, on va mélanger le goût du beurre et le goût de l'huile d'olive. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça va être très bon. Moi, j'adore en tout cas, donc je fais exprès, en fait. Un compote, voilà. Compote. Pomme poire. Voilà. Un pot de con. Vaut mieux un pot de con ou manger que de la compote? Enfin, il me voit avoir un pot de con. J'ai répondu moi-même à la question. Qui était absurde. Hein. Mais parfois, il faut... Il y a beaucoup de gras. Je vais éponger un peu, je crois, mais c'est pas grave. De toute façon, on meurt tous cons parce que les capacités du cerveau commencent à se dégrader dès 15 ans, je crois. Ouais, mais attends, attention aussi. Hein. Il y a des mecs à 80 ans, ils sont moins cons que des gens à 15, comme tu dis. Des fois, on est même cons. Après, on est toujours le con de quelqu'un. C'est un peu beaucoup mythe, du coup, beurre et huile. Perso, ça brûle quand même. Après, peut-être que je suis pas doué. Bah, il faut... attention, ça dépend des températures. Hein. Ça a tendance à moins brûler, tu vois. Mais si tu dépasses la température où l'huile brûle, oui, tout brûle. Mais tu vois ce que je veux dire? Un bon pote, j'y vais toujours, il met de la musique pour l'ambiance. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qui se passe Ah oui, Kalindi t'a fait rire, normal. Comme le BG de Twitch. Salut Artalex, comment ça va? Comment va, tu veux dire? Comme le BG. Je sais pas si tu as voulu dire ça. Comment va, tu voulais dire peut-être. Mais comment vas-tu, toi? Moi, je te pose la question. Ok, c'est parti pour les croutons, les vieux croutons. Vous voyez là ce qui se passe? Oui, vous voyez. Coucou, ah oui, coucou, effectivement, oui. Comment il va? Bah ça va et toi? Le BG Twitch, c'est une grosse responsabilité, mais je veux bien endosser, si c'est ce que tu penses de moi, ça me fait plaisir. Alors que nous avons les Rolling Stones dans les oreilles. Donc là, on va faire griller notre pain, biceps flex. Ah, le pain du banana bread, enfin. Non, pas de banana bread dans le truc. Ah, double biceps flex. Allez, vous en avez mis deux d'affilée, vous avez été malin. Demain, je vais à la muscu encore. Ouf. Enfin, j'y vais 3 fois par semaine en même temps. Je ne vais pas vous le dire à chaque fois. Ça fait partie de ma vie maintenant, c'est comme ça. On va faire griller ce pain du coup. Petit pain grillé. Il va à la fois absorber les matières grasses et griller. Please to meet you, bien sûr. On est heureux de vous voir. Vous voulez que je me mette comme ça? Si vous trouvez ça un petit peu sexy si je me mets comme ça? Bon, j'arrête. Il y a des enfants qui nous regardent. On m'envoie des messages, MP. On m'envoie jamais autant de MP que quand je suis en live. J'avais entendu ça, le cerveau, mais en même temps, quand tu vois comment un entraînement peut considérer pour monter les performances de demande de confirmation, ceux qui savent. Oui, c'est vrai. Sexy sauf le bronzage. Putain, voilà, tu m'as bien niqué. F-bar en débardeur. Mais ouais, je suis deg d'avoir cette marque de bronzage. Le bronzage de cycliste, le bronzage du mec qui va. Qui bronze trop vite en fait. Et du coup, il suffit qu'il y ait un petit peu de bras comme ça et c'est foutu. Ça va Olivier Disney ou quoi? Désolé d'avoir un tel bronzage, je vous ai déçu. Je vous ai déçu, je le conçois. On va faire des croutons, les amis. Ça va être énorme. Des vieux croutons, ici. Enfin, attention qu'ils grillent pas, qu'ils brûlent pas. Qu'ils grillent, mais qu'ils ne brûlent pas. Le crouton grille, mais ne rompt pas. J'aime bien que vous me donnez l'entraînement. Bah ouais, c'est intéressant, cette histoire d'entraînement de cerveau. Mais c'est quoi? C'est des trucs, genre des entraînements de mémoire, etc. J'ai les bras avec les mêmes contrastes, ça ne me choque pas. C'est vrai? Bah écoute, on est ensemble. T'as pas de grippin? Non, j'ai pas de grippin. Mais si je veux chercher un gars grippin, ça ferait pas pareil. On est d'accord. Avec César, pour ceux qui vont se battre pour ta salade, voilà, bien joué. Tu es le troisième à faire la blague, mais ça mérite. Jamais 203. Je te dis pas la couleur des fesses. Non, ça fait. Il n'y a pas de marque de bronzage. J'ai pas bronzé en slip, hein. J'ai bronzé du coup avec le t-shirt, donc ça va. Les cuisses aussi, les poignets, les chevilles, c'est vrai. Faut mettre moins de vêtements pour faire plus de vues. C'est vrai, tu penses, Captain? Tu penses qu'il faut que j'enlève mon t-shirt pour faire plus de vues? J'hésite, hein. On dirait des Golden Grams, c'est des Golden Grams, c'est ça. Vous aimez bien les Golden Grams? Quand j'étais petit, j'aimais bien ça. On va laisser griller un peu plus encore. Et après, on fera tout sautiller, vous allez voir. C'est le solo, les amis. J'aime bien cette salade, j'adore. Ouais, tu m'avais dit, bah du coup, tu vas kiffer. C'est une belle salade César crousti-crousti. Hein. Moi, c'est mes préférés, c'est vrai? De quoi? Ah, les Golden Grams, c'est vrai? Ça fait du Swift torse nu comme l'autre monsieur. Ah oui, bah oui, bonne idée. Celui que j'avais raid. Il est un peu plus musclé que moi, hein, faut dire la vérité. L'ami voulait qu'on sorte regarder le banana bread. Je le sors. Ah, en partant de vélo, voilà, c'est ça.
Je vais faire une belle photo. Seule chose sur ton thème. Ah oui, je vais te le mettre un peu si tu veux. Oh, c'est chaud. Mais souris le gâteau, c'est vrai? Je file à toute Dédé. C'est vrai qu'il sourit un petit peu. On dirait qu'il y a des lunettes de soleil. Il y a la banane, ouais, comme tu dis. Attendez, je fais sauter les croutons. Faut pas les cramer là, hein. Sinon, j'appelle la pompier, moi. Faut les retourner un par un. En tout cas, je vous conseille hein, de faire comme ça, c'est mille fois meilleur qu'au grille-pain. Après, ça donne un peu de matière grasse, mais c'est tout. Sinon, vous pouvez mettre au four aussi, avec un peu de beurre sur le dessus. Un peu de beurre, un peu d'ail, c'est délicieux. Vous coupez de l'ail, vous râpez de l'ail comme ça dessus. Ramenez un peu d'ail écrasé, c'est délicieux. Avec un peu de beurre, un peu de sel, ça marche aussi très bien. Voilà, le grand four était occupé. Vous comprenez le problème, le propos. Je file un peu plus tard également à toutes. Merci, merci d'espérer d'avoir été là. Tu veux faire une sauce salade, tu vas voir. Je vais faire une sauce avec du jaune d'œuf, du fromage frais, du parmesan. Et ça va être trop bon. Ça va être une dingue, comme on dit. Bientôt. Qu'est-ce qu'il dit, McLovin? J'ai raté McLovin. De la sauce César, oui, effectivement. dit comme ça, ça semble évident. Je vais prendre une photo du gâteau. N'hésitez pas, hein, vous pourrez dire si vous voulez sur le truc. Ça ressemble à un petit sourire. Hop, j'ai pris des photos. Je suis la seule à avoir un sourire. Non, non, t'inquiète, tout le monde a vu un sourire. Moi, je le vois, hein. Regardez. Ici, le sourire. Et là, c'est comme deux yeux. On peut faire... Il y a moyen qu'on fasse vraiment des yeux, si vous voulez. Attendez. Une tranche de cake, voilà. Bien joué, la tranche de cake. Elle est magnifique, celle-là. Elle est magnifique, celle-là. On peut faire des vrais yeux, hein, si vous voulez. Attends, il est où mon couteau? Là, vous le voyez tous, le visage. Merde, ça s'est cassé. Oh, c'est trop marrant. Bon, tu viens aux enfants, Louis. Mais non, ça fait pas peur, enfin. On refait une photo, bien sûr que j'ai refait une photo. La testasse qu'il a. Non, mais il est trop drôle. Franchement. Putain, mais la gueule qu'il a, ça me tue. Ça me tue. Mon taux d'imposition augmente. Ah merde. C'est dur, ça. Bon, regardez, les croutons.
Ça croustille. Essayez de reproduire dans le chat le petit bonhomme. Si vous pouvez. Non, c'est trop grand. Ça va être la photo, ça sera la première photo sur Instagram. Ça sera la photo partagée en story. Les gens vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qu'il a fait encore, Bardino 2? Ce con des Bardino 2. C'était une bonne nouvelle, Flying Nitty, ça veut dire que tu as plus de sous. C'est vrai que techniquement, ça veut dire que tu as plus de sous. Salut Saucisson, comment ça va? Imagine les gens de la miniature, ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Faudrait lui faire un petit chapeau. Ah, j'adore ce genre de truc. Ça me tue de rire de faire des trucs comme ça en cuisine. En plus, c'est un petit peu un accident, et après, bah, ça tourne en régal, quoi. Combien de temps on a de minuteur? Flying Yeti, t'es là ou pas? Allez, reste 5 minutes. Salut, super, j'ai faim. Moi aussi, j'ai faim, si tu savais. Il est 21h17. On a bientôt... Si seulement c'était vrai, j'ai pas eu l'augmentation l'année dernière. Putain, mais c'est bizarre que ton taux d'acquisition ait augmenté sans que t'aies eu... Si t'as eu ça. Enfin, si t'as eu une augmentation du taux d'imposition sans avoir augmentation du salaire, je sais plus parler. C'est quoi, qu'est-ce que... Oh! Ah, j'adore cette musique. Chan Chan! C'est bizarre, non? C'est possible, ça? Bref, vous allez voir que ça va sortir du four, l'autre truc. Bon, je le mets sur le côté. Bon, je le laisse comme ça, il est marrant. Bientôt, ça va sortir du four. C'est quoi qui va sortir du four, les amis? C'est les petits tenders. En attendant, je vais faire la sauce. Pas la main gagnée. Et là, ouais, toi, bon, pas la main gagnée. Un air de Bob l'éponge sur le gâteau, un air de Bob l'éponge ici, non? Regardez. Fail. Ah, tu peux pas faire d'espace. Tu peux pas faire entrée pour faire un trésor. Mais bien sûr, bien essayé. Les amis, je vais vous montrer la sauce, comment on va la faire. Carré frais. Pas la margarine. Je vais payer des impôts maintenant, tu es moi. Mais moi, tu sais que si je savais ce que je paye comme impôt. D'ailleurs, faut que je fasse ma déclaration, je pense. Les amis, c'est officiel, je vais devoir déclarer mes revenus Twitch. Je crois. C'est vital. Je parle couramment espagnol, mais j'ai du mal à comprendre les paroles de cette chanson. C'est pas vrai. On dirait qu'ils ont un petit accent, je sais pas. Donc, les amis, je sépare un blanc d'un jaune. Je vais touiller déjà ça, voir ce que ça fait. Je te déclare, t'es venu au Twitch, tu vas devoir lier cette. Non, ne faisons pas. Minecat, on a pris ça, c'est trop cool. Ah, tu connais les Minecat, c'est vrai? Eh bien, écoute. Oui, ils font ça, souvent. Original, le maillot. En fait, c'est pas vraiment une maillot. C'est une sauce César un petit peu améliorée. Vous allez voir. Mets de l'ail, je vais mettre de l'ail, t'inquiète pas. De l'ail, du poivre. Et on a eu des augmentes cette année, enfin. Ah oui, d'accord. Mets de l'ail. Après les impôts, on est censé en bénéficier au quotidien des instructions. Ouais, bien sûr. Techniquement. Mais disons qu'un mec qui vit tout seul avec un salaire juste bien au-dessus de la moyenne, eh ben, il est taxé comme un cinglé. En fait, je vous dirai pas combien. Enfin, je sais pas si je peux vous dire combien exactement, mais je suis taxé comme un cinglé. C'est vraiment énorme. Hop, ça va partir sur un petit peu d'ail en semoule. Donc j'ai mis du poivre, de l'ail semoule, 2 carrés frais. Hop, je vais continuer à touiller. Vous voyez? 0 matière grasse. Regardez, je touille bien. Et on a une sauce onctueuse, regardez, vous voyez? Je vais y mettre un petit peu d'huile d'olive pour détendre un peu. Pas trop. Pas d'anchois, malheureusement. Mais vous pouvez mettre des anchois si vous voulez. Tu es taxé de fou alors que tu n'as pas d'enfant ou quoi bénéficier des structures. Bah, en fait, c'est ça, ouais. Je bénéficie de quasiment rien, en fait. Mais je suis taxé comme un cinglé. C'est un petit peu ça le paradoxe. Après, moi, je trouve ça bien qu'on partage pour aider les gens qui sont plus dans le besoin, tu vois, dans ce sens-là. D'une certaine manière. Plus qu'à te marier, paye moins d'impôts. Voilà, je vais me marier. Je vais me marier demain, les amis. Est-ce que quelqu'un veut se marier avec moi?
N'oublie pas le parmesan, non, il y a le parmesan. Alors là, je n'oublierai jamais. Jamais je n'oublierai. Eh ben, nul cherche l'amour. Mais bref, ça devient politique, ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Captain Brocoli, mais ouais, c'est vrai que ça devient politique. Mais je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec toi, c'est... Finalement, nous... Ouais, enfin, on s'en fout. C'est pas grave. Je crois que la France est le deuxième pays au monde, tout taxé. Oui, c'est ça, je crois. Tout taxé de fou, ouais, ouais. T'as plus qu'à te marier, je crois que... Non, mais normalement, je vais payer encore plus l'année prochaine si j'ai réussi le changement de boulot. Ah, tu vas payer plus ou être payé plus? Quand l'actualisation, ça disparaît bientôt, ouais. Qui est la choupinette de ton cœur, ça? Si vous saviez. L'amour, Kezako. L'amour arrive parfois, les amis, ne s'inquiétez pas. J'ai râpé beaucoup de fromage, là. Regardez un petit peu, là, la sauce. Nickel. Je connais pas cette chanson. Mais elle est sympa. Cours de cuisine pour te séduire. Qui a dit ça? Ah, c'est la Vizia. Allez, faites ça. Non, mais vous savez, un homme qui sait cuisiner ne recherche pas forcément une femme qui sait cuisiner, vous savez, les amis. C'est pas la... Ça va pas être le truc qui va me faire chavirer, honnêtement. Vu que, forcément, je sais un peu le faire. Je pense que quasiment jamais une de mes petites copines m'a fait à manger, genre. Je vous dis la vérité, ça arrive. Ça doit se compter... Sur toutes les petites copines que j'ai eues dans toute ma vie, je pense qu'ils ont dû me faire peut-être maximum 10 repas en tout cumulé. Extra cheese, yes. T'aurais connu pour cette chanson? Concours de repassage, ça fait pas terrible, ouais, ça fait pas terrible, ça fait un petit peu réducteur. Sinon, ça se dispute en cuisine sur la recette de la sauce César, par exemple. Voilà, exactement. Sinon, après, ça se dispute sur la sauce César, tout à fait, tout à fait. Salut Divine, comment ça va? C'est cuit? Ouais, c'est cuit. Regarde. Contrôle qualité. Ici, vous voyez, ouais. Super nickel. Nickel. Faut pas faire attention avec le poulet parce que trop cuit, c'est sec. Là, c'est parfait. C'est rapide, ouais, 20 minutes. Pourquoi tu déprimes les Wiz? Ça va bien, bah ça fait plaisir, tu vas bien. Ou dans, surtout les petites copines que j'ai eu dans ma vie, pour la sensation flex. Non mais... Je veux dire... Vous avez compris ce que je voulais dire. Mais c'est pas bien qu'en 12 ans d'impôt, tu n'aies jamais payé de boulot? D'impôt. C'est un déchet, je rentre à peine, c'est vrai? Bah écoute, c'est délicieux. Je viens de goûter là, juste formel. En 20 secondes, j'ai un tapageur, je peux en 10 secondes. Je regarde le compte. Top. Alors, farine, œuf battu, cornflakes écrasé avec de l'ail semoule, du poivre et du sel. Je mélange bien. Je fais passer le poulet dans la farine, dans l'œuf battu et ensuite je le mets dans les cornflakes. Tac, tac, tac. 20 minutes au four et hop, c'est nickel. Ouais, comment? J'ai jamais fait assez pour en devoir. Ah oui, d'accord. Mais ça te déprime. Pourquoi ça te déprime en fait? Je comprends pas. Bah sur tes 100 copines, 3 t'ont fait à manger, ça fait 3%, facile à calculer, ouais exactement. Ouais. N'importe quoi Chibro, n'importe quoi, vous savez que je suis pas comme ça. Moi je suis un grand romantique les amis. Vous entendez, j'écoute de la musique un petit peu orientale. En fait je me rends compte que j'ai coupé un des plus petits. Et que les gros doivent être un petit peu pas assez cuits. Parce que j'ai coupé le plus petit. Et vu que je suis un peu parano, je vais remettre 2 minutes. Mais c'est juste pour vous, ça. Ok. Mais le plus petit était cuit, mais j'ai l'impression que les plus gros seront moins. Oriental, j'ai dit oriental. Je voulais dire latine. Je me suis trompé. Merci, Sonoté. Yes. C'est un classique ici. C'est un petit peu un classique hebdomadaire. Je voulais dire latine. Je suis désolé, Kalini, d'avoir dit ça. Panure à l'anglaise, voilà. Panure à l'anglaise, mais avec des cornflakes écrabouillés. Je veux bien qu'on m'indique comment déclarer ces kilomètres. Putain, mais ça, c'est... C'est une énigme pour moi, ça. Tu me parles de choses trop compliquées pour vivre. Ok, les amis, on va commencer à dresser l'assiette. Alors, regardez. Pour dresser l'assiette, qu'est-ce qu'il faut, les amis? Il faut une assiette. Bien, sur ça, on est d'accord. Dans cette assiette, nous allons mettre la laitue.
Ah, ça te déprime parce que maintenant tu dois donner l'argent, ouais, d'accord. Je pensais que ça te déprimait de jamais l'avoir fait, je me dis, mais quoi là. Regardez. Pourquoi j'ai encore faim alors que je résignais? Eh oui, ça c'est le risque du métier. C'est le risque du métier de regarder par les deux, mais. En même temps, est-ce que ça vaut pas le coup, franchement? J'ai bossé 6 ans. Comment ça t'as bossé 6 ans, Flying Getty? Dans ta boîte? Bon là, j'ai mis juste mis la salade. Hein. Yes, la salade est là. Bon, le petit bonhomme, je vous le retire, ok? On vous reverra plus tard. Un petit peu les croutons. Hello la jardinette, salut banane, comment ça va? Il y a un assaisonnement bien sûr, l'assaisonnement, regarde. La sauce. Je vais dézoomer un peu là, ça va être trop zoomé. Ouais. Au cumulé, alors, au cumulé, mon expérience pro c'est grosso merdo 6 ans, ok. Moi surtout le gâteau qui me fait envie, ce que je disais au début, je commence par le dessert. C'est vrai, tu commences par le dessert? C'est marrant ça. Je sais qu'il y en a qui font ça. Ça va être top, bah écoute, ça va au top. Juste à temps pour le banana bread, j'adore en plus au petit déj, nickel, c'est clair. Je peux te redonner la recette si tu veux. Il est où? Il est caché où? Ah, je l'ai posé là. Il est là le banana bread, en forme de visage, regardez. Salut Johanna, comment ça va? Discord, let's go. N'hésite pas à rejoindre, si on est gentil. Je viens de voir ça. Attends, qu'est-ce que tu viens de voir? T'as vu le gâteau, il a une banane. Ah oui, c'est un gâteau à la banane, bien sûr, effectivement. Attends, j'ai même pas fait le lien. Pour moi, c'est tellement devenu ancré dans ton personnage. Je commence toujours parce qu'il me fait envie et passion pour la bouffe. J'ai cette tête. Non, un peu mieux, allez. Je te fais un petit compliment gratuit. Ça va, très bien, Johanna. Bah ouais. Au calme. Tu es en train de devenir une discordienne, c'est ça que tu me dis? C'est bon, le poulet est cuit, c'est trop bon le. Regardez le poulet. Tadadam! Bon, il était cuit déjà, mais j'ai remis un tout petit peu pour être sûr que les plus gros morceaux soient bien cuits. Parce que je ne prends pas de risque. Hop. On va en sortir quelques-uns ici pour qu'ils refroidissent plus vite. Les autres, ce sera pour demain, de toute façon. Donc, tranquille. Je prends les plus beaux parce qu'après, on les met sur Instagram. Et voilà, regardez, c'est pas mal, non, en vrai. Biceps flex pour toi. Naikila, comment ça va? Et hey, Mister Barcel, salut tout le monde, salut Marmiton, comment ça va? Eric, je t'appelle Marmiton. Exclamation Insta avec un A. Si tu veux, tu peux faire carrément RS. Tu peux me rejoindre partout si tu souhaites. Regarde. Ah merde, je suis en caps lock. Sorry caps lock. hello, ça va et toi? Bah écoute, ça va très très bien. Mais ici, on s'amuse bien. Ça se passe très bien. Salut les petites marmites, hein, il faut que je revienne chez les petites marmites. Lol, des fois je ne suis pas tout. Qu'est-ce que tu suis pas? C'est une sauce César, bien sûr, c'est une sauce César, hein, pour la salade César quand même. Le gâteau ressemble à banane, coïncidence, je ne crois pas. Non, elle ne ressemble pas à ça. Salut marmiton, c'est Eric de marmiton. Sur la tu peux rejoindre tout ce que tu veux, ça fait plaisir. Johanna, n'hésite pas. Regardez un peu la sauce, elle est derrière le régal en vrai. Un peu épaisse avec le fromage, mais pas grave. Il me faut une cuillère. Hop, elle est sèche. Vous êtes prêts? On va dresser. On va le dresser ce poulet. Elle n'est pas un peu si, elle est carrément épaisse. Parce qu'en fait, j'ai mis le parmesan.
Je vais réfléchir comment dresser ça pour que ce soit beau. Je le coupe en deux. Ouais, c'est pas mal, hein. Je fais cuisiner pro, pas du tout, pas du tout. Je suis un artiste cuisinier, voilà, c'est la vraie réponse. Bien sûr, lol, il fallait que je commence par le yacht, c'est vrai, mais t'inquiète. Mais je cuisine beaucoup, hein, parce que quasiment plus... Non, pas plus qu'un cuisinier pro. Mais, et bienvenue à tous ceux qui arrivent, qui nous rejoignent. Ouais, je cuisine énormément, en fait, parce que je cuisine sur Twitch au moins 5 fois par semaine. Bon, pas cher, et là, il est tout à fait divine, t'as tout résumé. Puis on va y aller avec la petite sauce. On en met un peu partout. Aux quatre coins. Mr. Robinson, ça donne envie, merci Crozen. Eh bien, ça, j'espère que c'est très bon normalement. Vous devriez kiffer. Petite touche finale, dédicacée à Neono Wiz. Après le gâteau que souris, je fais une salade en étoile de mer, c'est un peu ça, ouais. Je suis un artiste, je suis un... Qu'est-ce que je vous dise, moi. Cookies to you, Mrs. Robinson. Le meilleur quand tu cuisines, c'est les chinois. C'est vrai, techniquement, on cuisine toujours aussi les pâtes et le riz, ça compte. Ouais, non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. C'est vrai, mais c'est encore à moins, voilà, avec juste avec le à moins juste parce que j'ai mis un petit peu de fromage. Mais c'est relativement healthy, hein, très peu de matière grasse au final en total. Enfin, il y en a, mais une quantité raisonnable, largement raisonnable pour un bon plat équilibré, les amis. Et c'est ça qui est bien, c'est que ça a l'air délicieux, ça l'est, et en plus, c'est sain. Alors ça, c'est vraiment tout ce qu'on veut dans la vie. Et bien, c'est ce que vous avez. Regardez, hop. Je vais mettre un peu de poivre par-dessus pour le côté clinquant. Et puis on va faire une belle photo, vous voyez, est-ce qu'on a besoin d'être pro? Pas besoin. Si on aime ce qu'on fait, on n'a pas besoin d'être pro. On n'a pas besoin d'être un chanteur pro pour chanter. On n'a pas besoin d'être cuisinier pro pour cuisiner. Néo le cheese. Oh du gruyère, non, c'était du parmesan, bien sûr. C'est quoi la prochaine recette? Alors, mercredi, je ne sais pas ce qu'on va faire. C'est une bonne question. Bonne question, bonne question. Je pense qu'on va peut-être faire un tacos. Parce que le mercredi, c'est les recettes insensées, c'est les recettes bizarres qu'on fait. Du coup, il y a moyen que mercredi... On fasse une recette bizarroïde, du genre mélanger du tacos avec n'importe quoi, tu vois. Très possible. Je prends des belles photos. J'essaye en tout cas. Hop là. Et c'est bon. Les tempura, des shrimp. J'aurais bien ces petites tomates cerises. Bonsoir à tous, j'arrive peut-être à la fin, je découvre. Juste salut Philine. Mais écoute, tu découvres, oui, tu arrives à la fin, mais tu n'es pas en reste parce que tu vas me voir déguster ce truc et ça va être de la folie, j'espère. Et mais merci à toi. Même à 16 euros, j'ai jamais eu la chance de manger une salade César aussi appétissante qu'un resto GG. Bah merci beaucoup. Merci Féline pour le follow, bienvenue. Et bien écoute, ça me fait plaisir. Vous êtes très gentils ce soir, avec un petit plaisir. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, c'est de voir des gens gentils, des gens cool. Il est encore là. Mais oui, je suis là, je suis là. Avec du bon monde qui nous regarde et ça fait plaisir. Des tempura shrimp, ça pourrait être bien, ouais. Merci, et bien régale-toi bien, je vais manger devant vous. Regardez là, ce que j'ai fait aussi. Ça a été aujourd'hui, ouais, ça a été très bien, franchement, c'était très cool. La photo, bien sûr qu'on a fait la photo. Regardez ce qu'on a fait, franchement. Franchement, le banana bread, il est à montrer dans tous les livres de banana bread. Est-ce que vous avez déjà fait un banana bread comme ça, les amis? Ouais, c'est trop rigolo. T'as de tu d'ailleurs. C'est simple, mais efficace. Je vous le remontre un petit peu. Eric, c'est pour toi. Eric, je t'ai fait un banana bread. Il a un truc pas freinant, il va bien, il va bien. Bon app, banana bob, bread, voilà exactement. En tout cas, demain, je me lève tôt, merci pour ta bonne humeur. Merci à toi, merci à vous d'être là, vous savez. On est gentil quand on espère en avoir un peu, voilà. Si vous avez envie de manger avec ça, bah oui, oui, merci. C'est toi, il est content. Il est content, Eric. N'importe qui aurait été vexé, mais Eric, content. Eric est trop gentil, les amis. Eric, un jour, il faudra que je revienne chez Marmiton, putain. Qu'est-ce qu'on va se marrer. Mon ami, je prends un peu de tout pour faire une grosse bouchée.
Je mange comme un petit cochon. Thank you, Luke. Une grande bouche, quoi. Ah ouais. C'est clair, comme ça, une salade comme ça au resto, je dis let's go. Hein. Ça me ferait plaisir. Je vais ouvrir un resto pour vous, les amis. Qu'est-ce que ça dit? C'est trop bon, trop bon. Je l'ai déjà fait. Je vous dis la vérité, je l'avais déjà fait. C'est trop bon. Merci, Kalindi. Hein. Passe une bonne soirée. Bon, ça rigole de ouf, quoi. Alors. C'est extraordinaire. La sauce est délicieuse. Je vous remonte pour la sauce. Alors, il reste un tout petit peu. J'ai mis un jaune d'œuf, deux carrés frais. Carrés frais, c'est ça. C'est du fromage. 0% matière grasse. C'est du fromage frais, genre boursin, mais zéro matière grasse. Et j'ai juste mis une petite cuillère d'huile d'olive pour détendre un peu. Et j'ai mis un peu de... une petite cuillère à soupe de parmesan râpé. Et ça fait une sauce avec hyper crémeuse, hyper fondante, fromagère. Avec quasiment un tout petit peu de fromage, il doit y avoir 5-6 grammes de fromage, quoi. Et le carré frais, il y a zéro matière grasse. Le jaune d'œuf, il y a un peu de gras, c'est bon. Et c'est top, parce qu'il y a c'est à la fois équilibré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas zéro matière grasse, attention, il y en a. Mais un petit peu de bon gras, par-ci par-là, ce qui fait qu'on a une quantité de gras raisonnable et saine pour la santé. On a de la salade, c'est bon. On a du poulet pour les bonnes protéines, on a un peu de cornflakes pour le côté crispy, on a un petit peu de pain complet, grillé. Délicieux, top. Faudrait que j'essaie avec carré frais. Ouais, carré frais, c'est excellent. C'est le truc miracle pour faire des trucs healthy, protéinés, etc. Tu as cuit comment le poulet? J'avais pas vu. Alors j'ai mis au four. Four 20 minutes. Pané avec le cornflakes, j'ai mis au four. Perso, je mange carottes, jambon, je suis triste. Bah t'inquiète. Tu pourras reproduire la recette. Ça coûte franchement, ça coûte pas cher. Le plus cher dans cette recette, c'est le poulet. Trop bon. Les amis. Ça moins 0%, ça marche aussi, ouais. Faut plus dire que tu me perturbes, mais c'est. Dans le sens. Mon sens de la musique, c'est un mix Temple Daft Punk avec un artiste. Ah, attends. C'est une musique. Something About Us, Daft Punk cover, Balance and Traveling Sound. Balance and the Traveling Sound. Je connaissais pas. C'est la lecture automatique qui s'est mis ça. Mais c'est vrai qu'elle est sympa. Les amis, est-ce que vous voulez. C'est Something About Us, ouais. Est-ce que vous voulez, avant qu'on se quitte, que je vous chante une chanson, les amis? Parce que ici, pour ceux qui nous rejoignent, pour ceux qui nous découvrent. Est-ce qu'il y en a qui nous découvrent? Il y a une particularité ici. Et pas des moindres. Alors les amis, ça boum ou quoi? Et deuxième idée, un studio caché dans la cuisine. C'est que vous pouvez choisir la chanson que vous voulez, parce que on a un petit peu de ressources, et que j'ai les paroles sur internet, et du coup je peux vous chanter les chansons un peu comme vous voulez. Il est très bon en effet. De quoi? Discovery. Ah oui, c'est top. Le casse forever par terre. Non, il est pas par terre. Il est accroché sur un endroit de la table. C'est tout est prévu. Eh bien oui, il y a un studio de musique caché dans la cuisine. On va faire une chanson qui va vous plaire. Qu'est-ce que vous voulez comme musique, les amis? Proposez des musiques et j'en choisis une et je la joue. Samedi, je teste ta recette, mais poulet à la poêle, pas au four ni air fryer. Ah, pas de four ni air fryer. Ok. Je repars. Des bisous. Merci, Maïo. Sauf celle qui ne connaît pas. Voilà, je prends une chanson qui me plaît. Oasis, j'adore Oasis. Voilà, ça part sur Oasis. Voilà, Féline, tu es bien tombé ici, je crois. Oasis, je vais vous faire. Laquelle je vais vous faire? Stand By Me, j'adore. Ah, je vais vous faire Stand By Me de Oasis. Je vais mettre un cap au 4. Ça, on va le reculer.
Attendez. On passe comme ça le casque, ok. En fait, il fait pas celle qu'on veut, mais celle qu'il choisit. Pas vraiment, hein. On se met d'accord ensemble, quoi. C'est un choix partagé. Made a million. Ok. Made a million, threw it up on Sunday. I got a lot of things to learn. I said I would and I'd be leaving one day before my heart starts to burn. So what's the matter with you? Sing me something new. Don't you know the cold and wind and rain don't know? They only seem to come and go away. Tugs are hard and I've got not no meanings. I found the key upon the floor. Maybe you and I will not be leaving the things we found behind the door. So what's the matter with you? Sing me something new. And don't you know the cold and wind and rain don't know? They only seem to come and go away. Stand by me, nobody knows the way it's gonna be. Stand by me, nobody knows the way it's gonna be. Stand by. Living, will you take me with you? I'm tired of talking on my phone. There is one thing I can never give you. My heart will never be your home. So what's the matter with you? Sing me something new. Don't you know the cold and wind and rain don't know? They only seem to come and go away. Stand by me, nobody knows the way it's gonna be. Stand by me, nobody knows the way it's gonna be. Nobody knows. Yeah, nobody knows the way it's gonna be. The way it's gonna be. Maybe I can see. And don't you know the cold and rain don't know. They only seem to come and go away. Still by me, nobody knows the way it's gonna be. Et voilà, c'était Stand By Me, les amis. C'était la chanson de fin. J'espère que vous avez apprécié ce stream. On va rester en musique. GG, merci Féline, ça fait plaisir. Feel in, carrément. T'appelles Féline ou Féline? Dis-moi. Ça régale, j'espère que vous avez kiffé. J'ai enlevé ma guitare pour pouvoir vous parler un petit peu avant qu'on se quitte. Je vais trouver quelqu'un à raid et je vais vous envoyer. Et puis ça va être énorme, hein, qu'est-ce que je vous dise. C'est un petit peu la béaba du streamer. Du streamer débutant. Non, pas streamer débutant, on va pas dire ça. Je vais vous dire ça. Je vais vous dire ça. Bravo, merci, clap clap. Les amis, on repart en mode normal. Attendez, je vais reposer le micro. Et voilà les amis, merci à tous les nouveaux follow, merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne aujourd'hui, merci à tous ceux qui ont kiffé. Il n'y a pas de commande d'applaudissements, regarde.
Merci à tous qui ont rejoint la chaîne aujourd'hui. Allez, ça suffit. Merci à tous ceux qui ont rejoint la Rockstar un peu. Merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne aujourd'hui. Merci à tous ceux qui m'ont découvert, les nouveaux. J'adore quand il y a des nouveaux. Merci encore Nicochon pour ce beau message tout à l'heure. Merci à tous ceux qui sont là, qui sont restés jusqu'au bout. On se retrouve mercredi 19h30 pour une nouvelle recette de folie, de la musique, de l'humour, de la guitare, de la chanson, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à rejoindre tous les réseaux sociaux, RS, les amis. Vous pouvez me retrouver sur Insta, toutes les musiques, non, toutes les recettes et tous les plats sur Insta. Sur Discord, on parle tous ensemble, on est la communauté rassemblée. Sur Twitter, des blagues par-ci par-là. Sur TikTok, toutes les recettes de manière rigolote. Et bien sûr, on kiffe quoi. J'arrive pour dire au revoir et salut Fergos. Au revoir Fergos, ça fait plaisir. Merci d'avoir été au début et à la fin, c'est beau. C'est comme si t'avais été là tout le long. Je vous fais des gros bisous, merci tout le monde, c'est fantastique, show Cuisine Zik, merci, merci Nico Show encore une fois. N'hésitez pas à rejoindre. Il y a un Discord, bien sûr, le Discord est là. Pour les informations Discord, si vous ne pouvez pas dans la masse de trucs, je vous renvoie tout à la main si vous voulez. N'hésitez pas à tout rejoindre, on est super cool. Et comme ça, vous êtes au courant quand est-ce que je live, etc., etc. Merci beaucoup, je vais manger ça avec grand plaisir. Attendez, il faut que je vous raide quelque part. Je suis ouf, moi, je suis ouf là. Là, je suis où? Faut que je l'envoie quelque part, bien sûr. Je vous envoie chez quelqu'un d'autre, c'est comme ça que ça marche. Je vais regarder un peu qui est là. Je trouve quelqu'un au hasard et je vous envoie, ok? J'aime bien, vas-y, c'est parti. Je sais pas qui on raid. On va raid la première personne que j'ai dans mes recommandations. Que je connais, qui est sympa, elle fait de la musique aussi. Et là, je crois qu'elle joue à un jeu. Un follower aux abonnés, merde, sur pareil, c'est pas grave. Merci beaucoup, on va là-bas. Soyez gentils, bien sûr. N'hésitez pas, si elle vous demande ce qu'on a fait, vous lui dites. Une salade César et des belles musiques, ça fait plaisir. Merci pour le stream de qualité, merci Yol, merci à tous. Des gros bisous. Clara Voller, que j'adore, je la connais, enfin je connais pas, mais j'adore, j'aime bien la personne. Je trouve qu'elle chante bien, fait de la musique, c'est cool. Personne très cool. Voilà, des gros bisous. N'hésitez pas, soyez gentils là-bas. À très vite et voilà, merci beaucoup.